Voilà, là on n'est pas encore ready. Bonjour. Bonjour le stream. Bonjour, donc Ranking Gamers Garden. Numéro, insérer un numéro aléatoire. Voilà, je crois que c'est le 5. C'est le 5 bêtises, ouais. Bah le 5, Ranking 5. Au milieu de saison en tout cas. Saison. Avec un magnifique fond à l'arrière. Ouais. Et comme il est beau. Caméra. Ouais, il est bien comme ça. Ouais, on voit. Déjà on va nos têtes, c'est principal. Mmh. Ouais. On va nos forces. Salut ZZ2 Anoubi. Bonjour, bonjour. Bonjour Lollyworld. Bonjour, bonjour. Putain, ça vient direct, hein. Ça, ouais, alors que Rappel a toujours pas fait l'annonce du tout. Mm. Je vais le faire. Ouais, mais ça va. Et du coup, bah, on va pouvoir commencer directement. Les joueurs sont déjà prêts. Ils font pas, mais on les fait attendre un peu, comme ça on les fait chier, tu vois, c'est bien. Ah ouais. Ils kiffent. Ah non, on va lancer, donc là, un petit match de chauffe. Ouais. Entre Yo Yuya, ça va quoi? Salut Yuya. Petit match de chauffe entre l'homme qu'on appelle Rire, l'homme de tous les dangers. L'homme à l'alcool facile. Et il est malade, en fait. Là il est diminué là. Il est qu'à 50% de ses et capacités. Donc comme on n'a pas beaucoup de participants, on a fait un bracket. Et tous les matchs seront en BO5 pour le plaisir des yeux. Ah oui c'est vrai, c'est toujours en BO5. Pour le plaisir des yeux. Après on est 12 quand même, hein, c'est pas trop mal. Ouais. Merci. Et donc il va avoir affronté notre Joker, notre nouvel adhérent. Le joyeux. Que nous aimons déjà beaucoup parce qu'il n'y a pas les mains vides. Ouais. Ça on aime ici. Allez, donc on est parti. Genre quand, genre là. Hop. Et donc, hop, les noms ça va commencer sur du billet Captain Falcon au skin de GG, bien sûr. Je vais imaginer que peut-être... Joker avec 2K, monsieur. Avec 2K, très bien. Elle fameux sourire. Ouais, encore 30 secondes, même pas. Oh, vous pouvez y aller, les gars, lancez. Hein. Allez-y, lancez. Faites la bagarre. Et donc, je crois que le stage annoncé, c'était Holo Bastion. Me semble. Direct Tiolo Bastion. Ah mais c'était devenu du Yoga. Ah non, c'est champ de bataille. Autant pour moi. Petite musique de Kid Icarus. Et là, Rire qui commence déjà avec son petit upper. On est là pour tester un peu la réaction de son adversaire. On va essayer de direct punir avec un Raptor Boost, mais on était un peu trop collé, monsieur. Et on commence avec un jab block, down smash et un spike. Ça commence déjà avec un 0-2-less, monsieur. Il est chaud. Il est déjà chaud. Et Joker qui veut pas se laisser faire, et paf, un petit up smash, on se prend à genoux direct. Rire, en fait, il veut montrer que... Bon, il est peut-être fatigué, mais il est là pour casser les bouches. Hein. C'est un classique Rire. Déjà, il est content, il a déjà mis sa dinguerie. Hop, on écarte un peu le Falcon du chemin. Upper, on essaie de stomp, mais le saut bien trouvé du côté de Joker. On dance throw. Hop, on cherche la dash attack, c'est magnifiquement pari de la part du joueur de Falcon. Hop, le reverse grab, on pourra prolonger son allonge. Et malheureusement, Joker qui kebab. Là, on attaque directement le Rire, on tape dans le shield. Rire qui trouve la dash attack, upper, up smash. Bien bloqué par le bouclier de Joker. Hop, down throw, on essaie de spike. Rire, il veut mettre des spikes, hein. On est... Franchement, ça c'est les mecs qui fonctionnent sous alcool, ça. Hop. Joker qui se place sous la plateforme pour éviter son adversaire de stomp, en fait, tout simplement. Et là, la petite dash attack couvée par le joueur de Falcon. Ça se cherche des crosses, on évite le conflit. Joker, le Dolby. Ça, c'est beau, monsieur. C'est ça qu'on veut voir, celle-là coûte double stock. Vous comptez ça. C'était une dinguerie. Hop, la petite back throw. Rire qui est patient sur le ledge. On va pas laisser son adversaire approcher. On reprend le ledge. Le petit Falcon Punch. Oh, il va en mettre partout. Là, c'est de l'humiliation, monsieur. Il veut juste humilier son adversaire. La dodge bien trouvée de la part de Rire. On prend le hubby. Et le hubby qui tue. Première game prise par Rire, notre joueur Ravenellois. De l'églantier. Et donc, on a 1-0 pour monsieur Rire. Le chevalier de l'églantier. En sachant que, du coup, rien n'est fait. Il y a possiblement encore 4 matchs. Tout à fait. Alors, Rire, direct, hein, il était là pour faire du cheating. Hein,
Le mec qui veut juste le spike comme un salaud. Court dans le méchant. Et Lilian qui découvre son adversaire en bégayant. Et on y retourne, on est reparti. Je n'ai même pas vu le choix du stage. Je suis à la ramasse. Et là, cette fois-ci, ce sera bien Holo Bastion. Et Rire qui commence avec une petite feinte, on part d'à côté. Et le petit suicide instantané. Rire qui est connu comme l'homme au suicide facile. Le petit upper. Oh là là, on enchaîne les upper comme pas possible. On essaie le spike sur la remontée avec le grappin. Et Rire qui a déjà rattrapé son retard. Direct. Direct. Bon, bah les matchs seront courts, je l'annonce. Oh, bien trouvé le forward air du côté de Lilian. Notre joker local qui ne joue pas joker. Hop, on prend la back throw du côté Rire. On patiente un peu côté Rire, on trouve la dash attack. On patiente au sol, on laisse son adversaire retoucher le sol. Et on met la pression avec ses petits stomps. Oh là là, on va prendre le tipper du side B. Oh là là, Rire qui a voulu tenter le danger. Là, c'était idiot, monsieur. C'était idiot. Le up smash qui est bien bloqué du côté joker. Hop, on essaie de side B. Rire qui va balancer la back throw. Ça va tuer? Non, pas encore, pas encore. Est-ce qu'il va tenter une sortie? Non. On reste sur le stage et on met un petit croche-patte, là. Je te décroche le tibia. Hop, on fait des petites dash dance côté Rire. Qui opère? Le up smash qui a été bien trouvé, mais malheureusement, Lilian a réussi à réduire son lag en faisant son up B. Le Falcon Kick bien trouvé, le hubby. On fait le bisou. Ah, Rire qui est un peu en retard là-dessus, cette action. Hop, patiente, la dodge bien trouvée du côté joker. On se repositionne, on reprend le contrôle du terrain. Le tilt qui ne tue pas encore. Hop, Falcon Kick. Et le down smash pour prévoir cette roll. Et Rire qui annonce déjà un 2-0. Est faible au niveau de la santé, mais est fort. Ouais, il oublie ses problèmes et il fait la bagarre. Et on retourne sur Holo Bastion. Si ça marche, alors pourquoi pas. Rire qui a réussi à quand même trouver des bons stomps pour punir les recovery de Joker. Très bien trouvé. Ouais. Et Joker qui est en mode bégaye. Non, j'aime pas. Non. Let's go. On reprend Rire cette fois-ci qui commence directement avec une dash attack. Cette fois-ci, on va pas essayer de feinter son adversaire. On est patient. Le petit Raptor Boost, on tente le up smash. Upper. Lilian qui trouve up tilt, up smash en s'aidant de la plateforme. Rire qui veut vraiment bourrer ce up smash. Hein. Un jour, il passera. Le down smash bien trouvé en couverture. Et là, oui, manquait le side bien un peu. Il fallait faire un peu plus tôt, monsieur. Hop, le petit tilt. On dégage son adversaire et on le spike. Rire qui a pas le temps. Rire, je pense qu'il veut partir en pause club, c'est pour ça. Hop, le petit grab bien trouvé. On éjecte son adversaire. Le upper qui est trouvé. Le up smash, malheureusement, bien esquivé. Côté joker. On a essayé de spike pour mettre Toonie, hein, je pense. Les combos Falcon, les classiques. On trouve la dash attack côté joker. On patiente, on met le down B. Hop, on met le spike. On met une back throw. On met la pression à son adversaire. Malheureusement, je pense qu'il n'a pas voulu dash attack. Il voulait lui mettre un petit neutral. Mais bon, ça profite à Lilian. Il profite de l'avantage. La dash attack qui trouvera preneur. Et là, on est à deux stocks partout. Avec un bel avantage côté Rire. Le down smash bien trouvé et ça s'envole. Peut-être une DI aux fraises côté du joueur de Bylet. Ah, s'envoler vite là, le poker là. Ouais, ouais, bah là. Pire, c'était quand même des années qu'il est sur le jeu, donc même s'il n'est pas très performant, si quelqu'un est chaud, tu vois, bah, je dis ça, mais c'est bon, je vais le croiser en braquette, il va me démonter. Alors, vous connaissez ma malédiction. On revient. Avec risque côté joker, la neutral get up, on garde le stage, Rire qui veut rester au sol, hein. Il va pas tenter de l'envoyer en l'air avec
Les petits uppers cette fois. On reste au sol, on va essayer de punir. Peut-être on regarde un peu ce que son adversaire fait. Oh oui, il a essayé de spike encore une fois, hein, parce que il est gourmand. Hop, le petit tilt trouvé de Joker. Hop, le side B, K-coach. Ouh, c'était bien trouvé le B. Malheureusement, ça a été vu par Rire. Côté Joker, on a de bonnes idées, mais malheureusement, Rire qui prend des précautions. Et le back et le 3-0 pour Rire. 3-0 pour Rire. Rire qui tue. Rire qui passe son premier tour. Sans encombre. Et donc, quel sera le prochain match en stream? Eh bien, si on te le demande, tu diras que tu sais pas. D'accord, je ne sais pas. Moi non plus. Ah, attends, on va regarder le bracket. Le bracket. Le bracket que voici normalement. Et bon, après, c'est vrai que peut-être que les autres personnes n'ont pas encore fini leur match parce que Rire, il a été vite. Okay. Il y a eu de très bonnes choses côté Lilian, on a eu ce upbeat ou downbeat et Rire qui prend le truc en mode ouais. Bâti, je suis un client quoi. Je vais rentrer le score ici. C'est un peu adage, on n'a pas de Théo, pas de commentary. Ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas comment faire. Sur Star.gg ça marche correctement mais tu peux commenter? Non. Bah ouais bah écoute why not. Bah là de toute façon tu vas jouer donc je pense que le prochain aura clairement pas de problème. Bah là il faut attendre qu'il y a un match qui se termine. Voire même deux. Bah là en vrai on peut faire jouer Attends il y a tout le monde est sur le setup hein. 15 il a fini je crois là. 15? Non pas encore, il est en train de pick and ban je crois. Ah oui, mais 15 écoute... On est où? Ah bah ouais, tu vois, ça va être long. C'est vrai, le BO5, ça va être long, effectivement. Oui, les BO5... Bah sinon, on envoie Crinière Rire, hein, comme ça... Crinière Rire instant. Bah ouais. Vas-y, bah Crinière Rire. Ouais, Crinière Rire. Crinière Rire. Ah ouais, regarde, t'es chaud. Bah, t'es en avance. Ah, t'as gagné trop vite, hein, je peux rien, moi. Tu fumes pas, t'es malade. Pas fumé, t'es asthmatique. Ah, il a pris la ventoline, donc tout va bien. The thing is fine. Et donc on va enchaîner direct avec un tour 2. Un tour 2, tout à fait. Et donc là, ça sera donc toujours Rire, hein, qui toujours continue son petit bonhomme de fumain. Face au gagnant du précédent ranking, Monsieur Crinia. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ça a souligné, il a fait l'exploit. Les choses devraient être un peu plus il a annulé Yuya, qui n'était point présent. Oh non, Crinière, ça aurait déjà opposé plus de résistance à notre ami. Ouais, ouais, là... À la Rire, le suicide interdit, hein. Ah, t'as le droit. Donc on aura le droit à un match de personnes à casque. On a le Captain Falcon contre le Mega Man. Ah, peut-être un autre perso. Crinière a plusieurs persos dans sa godasse. Dans un petit pack. Crinière il aurait pu venir m'affronter au ladder, mais il a préféré perdre contre Ken. Pas la ref, mais... Ah, c'était le ladder de l'autre fois. Ouais, je comprends. Il dit que Ken c'est horrible. Oui, mais quelque chose me dit que le match Yuya Crinière aura lieu plusieurs fois dans l'année. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y aura une revanche. Il y aura une revanche. La revanche d'une revanche. Une revanche. C'est ça. Pour l'instant, l'homme avec qui Yuya a eu le plus de revanches assassi, c'est Monsieur One Brawl. C'est vrai. Les deux sont absents aujourd'hui. One Ball, je sais pas pourquoi il est pas là d'ailleurs.
Alors j'en ai aucune. Yuya il a donné son mot d'absence, mais One Brawl. Je crois que One Brawl déjà a crevé dans la semaine. Ah bah a priori bon. Toi tu mets une galette. Bien. Ah non, son pneu il a vraiment explosé. Ah mais c'est les galettes, c'est des petites roues là que tu mets en attendant. Bon après c'est pas conseillé de rouler trop avec non plus, hein, c'est vrai. Pour un ranking. Ah mais c'est, je pense, ouais. Histoire rangée avec Yuya, ils ont dit vas-y on leur laisse deux rankings d'avance, comme ça après il y aura un, ouais, peu de, ça, c'est... Il y aura un peu de challenge. Esprit shonen. On est beaucoup de coups. On peut y aller. Mais vous êtes dans, c'est le bon ordre, en plus c'est magnifique, oui. Et ben allez-y. Je vous en prie messieurs. Vous pouvez commencer votre match. Rignard, Rear, Megaman, Captain Falcon. Ouais. Ton avis sur le match-up? Match-up, il est pour Megaman. Ah, quoi que non, Falcon c'est... je ne connais pas. C'est la première fois que je vais voir un Falcon Megaman. Ah ouais, mais pour moi la balle serait peut-être du côté. Là, ils ont eu la bonne idée de se mettre dans la même couleur en plus. Salut, ils sont malins. Hein. Ouais. Oh, mais Rear, il a un skin GG. Ah, ok, excusez-moi. Hop, Rear qui va commencer avec une dash attack, qui va reprendre directement la scie de Crignard. Et Crignard qui va mettre des petits limons pour juste empêcher son adversaire d'avancer. Hop, les petits limons, on met le forward air. Hop, le petit tilt. C'est ça qui est un problème. Ah, il n'a pas mis ses touches. Ça fait 1-0 pour Rear. Non. Allez, hop. Moi, en vrai, tu me fais ça, c'est 1-0 pour moi. Hein. Ah oui, il n'a pas paramétré ses touches pour la manette pro. Ah ouais. 1-0 pour Rear. Ouais. 1-0 pour Rear. Ah, magie, c'est légit, hein. Ah là. Trop gentil, mon gars. Ah non, mon gars, je prends le point direct. Parce que quand ils vont raconter, quand Rear va retomber sur Crignard en loser ou peut-être pour le grand final, ben Crignard il va se suicider et genre Rear il va faire non, on a lu la game, je te la rends. Franchement, hey, Yuya, t'es pas d'accord? Franchement, là c'est un point pour Rear normalement. Ça. C'est direct, et Rear est gentil, Rear est bon prince. Petite crème. Par contre, Yuya, il dit que apparemment t'as déjà vu 50 matchs de Vige contre Crignard, donc qu'a priori le match-up Captain Falcon Megaman, c'est pas pour que... Ah oui. Ouais, je crois qu'il a pas tort. Peut-être. Mais ouais, du coup, Crignard s'en sort mieux du coup sur le match-up Falcon. Mais après, on oublie que Rear a son propre Falcon. Ouais, chacun ça. A son Falcon. C'est pas le Falcon de Rear. Ouais, on est reparti. On va voir ce que ça va donner. Avec les bonnes touches, tant qu'à faire. Crignard Vich a eu beaucoup lieu, par contre, Crignard Guido n'a pas eu beaucoup lieu. Pas dans cette enceinte. Trop bien. Si je passe mon prochain match et qu'il gagne là, ça va se faire. Hop, on prend le mou du genou en into le grab côté Crignard. Il y a un petit avantage côté Rear. On utilise le shield Leaf côté Crignard pour empêcher son adversaire de lui mettre des patates dans la bouche. Mais oh, on bloque le Raptor Boost. Crignard qui prend directement le grab. Hop, on j'ai bloque les coups. Mon cher Guido. Oui, d'accord, y a pas de soucis. Un peu, peut-être que je m'écaille peu. Petit backer côté Crignard et petit backer côté Rear. On enchaîne les petits limons pour gêner l'avancée du Captain Falcon. On prend la scie, on met une petite pression, on dash dance, hop. On va prendre la dash attack. Hop, Rear qui va choper son adversaire directement avec le up B. Il vient de se faire miner. Hop, il vient de se prendre un spike et Rear qui refile la mine à Crignard et se la prend dans la bouche. Le smash qui cloque. C'était triste. Et là, on prend le back throw côté Rear. On lâche la scie. Crignard qui maintient son avancée au bord. On prend le forward throw. On prend la scie. On lâche la scie. Hop. Le forward air pour couvrir la remontée de Rear. Et le forward smash qui trouvera preneur. Et Rear qui perd sa première stock. Rear qui prend déjà une mine à l'arrivée de sa deuxième stock neuve. Les petits limons, on bloque son adversaire. La petite dash attack côté Crignard.
Le Raptor Boost bien trouvé de la part de Rears, mais ça ne tue pas. Il va falloir patienter un peu. Le jab, le jab, le jab. Rears qui est un peu trop bas. Ça va, la mine n'a pas pris. Mais il est remonté peut-être trop rapidement. Il s'est pris le forward smash. Et pour l'instant, Krignard qui gratte les pourcents. Les Limon, on bloque tout. Allez, le petit back air, côté Rears, le down smash qui prendra dans le bouclier. On essaie de bourrer un peu les smash côté Rears. Il va falloir trouver un moyen de passer cette mine d'objets. On retourne avec la scie, on change les délais. Rears qui est très bon sur sa remontée. On est patient, on bloque le missile côté Rears grâce à son down B. Le Shuriken bien trouvé de la part de Krignard, et pour l'instant, Krignard qui a deux stocks d'avance sur son adversaire. Rears, il va falloir qu'il fasse une bonne remontada. Ça se cherche. Krignard qui remet les limons. Et cette fois-ci, on prend le side B, le Falcon Kick. Hop, les petits limons côté Krignard. On prend le upper. Petit forward air côté Krignard, on essaie d'être un peu indécis sur ses décisions, éviter que Rears ne retombe et le punir en l'air. Rears qui est très fort sur sa mobilité aérienne, il gère, c'est l'un de ses points forts avec son Falcon. On a failli prendre le spike là-dessus, on met le down tilt côté Rears, le down B de côté de Falcon. Ah là là, c'est un peu brouillon côté Rears, les up B un peu piffé, mais en fait disons que Krignard garde bien ses distances. On prend la scie, on prend le spike, et cette fois-ci on est sur le stage, donc il n'y a pas de risque là-dessus. Le Shuriken qui a été utilisé du mauvais côté malheureusement. Rears qui est encore en vie. Rears, ça va être compliqué. La backthrow trouvée Krignard. Hop, backthrow côté Krignard. Cette fois-ci on a l'avantage, on a le ledge trap. Et le forward air et Krignard qui prend la première game. Pardon, excusez-moi. La maladie me touche. Et donc 1-0 pour notre ami Krignard. C'était très... Et côté rire, hein, difficile d'avancer. Se tromper dans les contrôles, bah, le problème c'est que monsieur Krignard a décidé de changer de contrôleur, donc il avait encore les contrôles manette de GameCube. Après voilà, hein, je connais de très bons joueurs qui ont mis la manette de GameCube de côté. C'est faux, c'est comme la pause, hein. Tu mets le jeu en pause pendant un match, et oui, t'as le droit de prendre ton temps, hein. Bah, bien sûr, moi je peux dire que moi je me gêne pas du tout. Mais toi, t'es un charreau. J'applique le règlement. Falcon Kick, Down Smash. En tout cas, Rears qui commence bien sa game. A voir s'il arrivera à trouver la faille pour mettre ce Krignard out. Et là, les back air bien trouvés. Côté Krignard, hop, on renchaîne avec un back air et on gratte les pourcents. Le stomp bien trouvé de Rears, malheureusement. Le Nick qui ne prendra pas preneur. Ça, c'est dommage. Hop, la dance throw, on essaie de up B côté Rears, on prend le bord directement et on s'écarte de cette mine de projectiles qui est Krignard. Falcon Kick, on avance doucement, Rears qui est en train de construire un jeu un peu moins agressif que face à notre ami Joker. Hein. Là, il faut être un peu plus patient. Et là, voilà, le joli alley-oop en mode je pars d'un côté, puis en fait, non, je te mets un forward smash. Rears qui passe bien par-dessus. Le smash de Krignard, on trouve le tilt. Oh, dommage. La plateforme qui a peut-être gêné notre ami Ravenelois. Oh, le joli pari sur la scie de Krignard. Le Raptor Boost. Oh, le back air qui prendra pas totalement tous les hits. La mine sur le bord, bien sûr. Et oui, le forward smash qu'il trouve. Et là, le Shuriken. Krignard qui prend la première stock.
Et moi, la maladie me touche. Le don tilt. Non, même pas. Ah oui, Rire qui a mis un genou et du coup Crignard a voulu esquiver et il ne pouvait plus réagir suffisamment rapidement. Donc Rire qui prend sa première stock sur ce match. Donc ça se passe déjà mieux côté Rire. Le shield leaf pour gêner son adversaire. Le upper, moi bonne DI de la part de Crignard, hein. Sinon il aurait pris ce petit upper. La dash attaque. Dash attaque du côté de Crignard. Yes. Le petit forward air. Le back air côté Crignard. On tente le smash. Et Rire qui a bien tempo, après, qui s'est mis sur la plateforme du dessus. Et là on prend le spike. Rire qui perd sa deuxième stock. Mais rien n'est joué. Crignard est à suffisamment haut pourcent pour qu'on puisse tuer avec un joli smash. Et là on trouve le combo. Down air, back air. Hop, on prend la scie, on grab direct et on essaie de re-spike ce Rire. Hein. Ce Rire qui prend les spikes depuis tout à l'heure. Parce que Crignard, hein. Qui est suffisamment bon, il conditionne bien son adversaire. La dash attaque trouvée Rire. Allez, ah, maintenant, le Shoryuken, on a essayé de grab le Shoryuken trouvé par Crignard. Et Crignard, je pense qu'avec un autre Shoryuken, on n'est pas loin de tuer. Hein. Là, il y a juste à gratter les pourcents et trouver la bonne kill move. Et Rire, il va falloir qu'il tente des dingueries pour pouvoir remonter. Ah, là, à mon avis, Rire, il a voulu drop la plateforme tout smash avant. Et c'est pas passé. Ouh, la Sli est instant Shoryuken. 2-0 pour Crignard. Et Rire, il n'a pas démérité sur cette game. Il a plutôt bien joué. Ouais, il a mieux joué son match que sur la première. En ligne, tu peux faire ton match? Voilà, à mon petit cocolo quand j'entends Rire, c'est bien ça. Peut-être pour cette dernière game, à moins que Rire sache faire des miracles, et je sais qu'il en est capable. Si on aura choisi SBF pour ce possible dernier match. Rire qui trouve le grab. Cette fois-ci, Rire qui, comme à la première partie de la deuxième game, prend l'avantage. Crignard pour l'instant subi, il va falloir trouver des petits setups. Et là, paf, on est déjà remonté côté Crignard grâce à ce upper back air. Et là, on enchaîne avec un second back air. On enchaîne les back air côté Crignard. C'est le coup le plus safe, je pense, de son côté. Avec les Limon, bien sûr. Là, la petite back throw. On a essayé de faire sauter son adversaire sur le chien pour mettre un peu plus de pression. Crignard qui est suffisamment réactif et qui joue autour de son upbeat. Le Shoryuken trouvé, la petite back air, le petit back air, la scie pour maintenir son adversaire à l'extérieur. Et là, on chope direct Rire avec cette zone rouge, le petit grab. Et là, on prend la back throw. Rire qui perd sa première stock. Rire qui vient de se faire stopper son Raptor Boost avec un grab. Rire qui a clairement l'avantage en fait du match-up, hein, on le voit. Le Limon. Bien trouvé. Aussi Crignard en fait il va se contenter de gêner son adversaire, l'empêcher de progresser. Et Rire qui commence à perdre un peu son sang-froid, on le voit un peu crispé sur sa manette. Il a envie de taper là, mais il trouve pas les... Il a envie de taper mais il y a trop de projectiles. Yo Karobu, Karobu salut. Karobu c'est un goth à LOL. Et à le dire. Ah ouais. Ouais. Bah toi tu joues pas LOL. Non je ne joue pas. T'as bien raison, c'est un jeu de merde. Ouais ouais. Mais ceci dit... Je joue à Smash Bros, c'est aussi un jeu de merde. Moi un jeu de merde que LOL. Hop, on trouve le forward smash côté Crignard. Et ça ne tue pas. Et là on prend le... Voilà. Un petit smash avant. Comme ça, gratuit. Allez Rire, c'est maintenant là. On y va. Allez, là. Et là cette fois-ci Rire qui bloque bien le shield leaf. Et malheureusement il a roll. Et il se fait balancer le shield leaf. Où la Crignard qui a voulu remettre son setup à base... De Shoryuken. Crignard qui utilise le chien pour s'échapper de cette situation de juggle. La petite dash. Oh là là là. Et on prend le back throw. Encore une fois le back throw. Rire qui veut refiler la mine à Crignard. Genre en mode tiens je te refile une MST. Les uppers. Rire qui se prend un smash. Oh Crignard qui a voulu bourrer les smash.
J'ai dit, ah, si tu bourres les smash, moi aussi je vais bourrer les smash. On va bourrer le à deux. Last. Oh, le shield lift. Et cette fois-ci, on voit que ça marche pas. C'est Nier qui va balancer son shield lift de l'autre côté pour pas prendre de risque et pouvoir réagir suffisamment rapidement. Oh, Krinier qui avait lâché la scie en espérant la roll de rire, sauf qu'il y a eu une mauvaise gestion côté de Krinier. La roll était un peu trop loin. Rire qui avance dangereusement avec ce Falcon Kick. Là, hop, on avance. Rire qui veut trouver un setup, qui veut trouver un moyen de spike ce Megaman. Petit Falcon Kick. L'Astro qui est trouvé, le père, on essaie d'être gourmand, ça va, rien n'est joué. Oh là là, la scie touche Shuriken. Et le 3-0. Le 3-0. Aïe aïe aïe. Donc à vous vite fait, t'es quand même d'accord que LOL c'est un pire jeu que ce match. Hein. Pour terminer ce petit débat. Alors... Bon. 3-0 pour le rire. Il gagne 3-0 et qui perd 3-0. C'est un homme entier. Tout ou rien. Fais pas les choses à moitié ici. Ok, on est d'accord, merci. Ok, donc on va repartir. Alors, on va avoir vite fait notre petit bracket qui ne veut pas s'afficher. Si ça s'affiche. Donc, qu'est-ce qu'on a en tour 2? Comme on peut voir, Guideux HBK. Voilà, et bah Guideux, il va faire son match d'ailleurs. Je pense que du coup, je vais laisser la parole à notre ami Crignard qui veut tenter le commentary. Le commentary, ça va être stylé. Ouais. Et on va avoir donc Céleste contre Mernan. Oh oui. Après, il peut essayer. Franchement, c'est. Ah, après, si vous voulez essayer, on peut essayer. Hein. C'est pas quand on est à Cray et qu'il y a du top player qu'il faut venir essayer de commenter. C'est maintenant. Ça se tente. Hein, ouais. Après, c'est là qu'il commente un peu aussi, je crois, si je me rappelle bien. Tu commentes un peu aussi, toi. Ouais, vite fait. Ouais. Ouais, mais vite fait, c'est déjà. Attends, mieux on va tester Pignard, elle avait demandé. Ouais. Je vais aller faire mon match contre Monsieur HBK. Va donc faire ton match, mon ami. Pignard hein. Seigneur, serez-vous disponible pour venir commenter? Nous, Mernan, il est dehors. Ah, lui, c'est la team dehors aussi. Hein, c'est... Lui, de venir faire son match, s'il te plaît, rien. Mernan. C'est très drôle, Popo, ta blague. C'est vrai que j'y pense à chaque fois aussi. On ne la répétera pas pour le stream. Donc pas désobligeant envers Popo et son humour douteux. Un stream, mon gars. Donc, mon cher Crinière, comment vas-tu? Première fois, cast. Sérieux? Ouais, eh ben, première écoute, fois. Comme dit, c'est bien de commencer. C'est bien, c'est petit ranking, c'est fait pour ça. C'est exactement. Aussi bien à jouer qu'à commenter. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme match là? Donc, là, on va avoir Céleste contre Mernan. Donc Mernan qui vient de mettre un bon 3-1 à 15. Il joue qui? Petite branlée, on peut dire. Mernan qui y joue? Ouais. Eh ben écoute, faudra lui demander. Okay. J'en ai pas la moindre idée. Mernan qui joue-tu? On va pas écouter. T'as snobé. Mernan, qui joues-tu? New Roller. Ah bien. New Roller. Exotique un peu. Exotique. Ça fait bien, on ouais, aime. La variété. On aime l'exotisme. C'est sur ranking de Gamers Garden. Et Yuya qui te dit bonjour. Bon Yuya. Il va falloir que tu reviennes quand même. Hein. Ouais, il a fait deux fois. Hein. Tout à l'heure, il a dit que tu avais de la chance que tu sois pas là, sinon il t'aurait défoncé. Ah ouais, mais bon, moi je suis là. Hein. Il est là, voilà, exactement. Les enfants ont toujours tort. Donc, Yuya a tort. Voilà, fin du game. Il be back. Le mec, il va revenir, Yuya. Ah oui. J'entends. Après, je crois que lui et One Ball, ils vous ont laissé. Là, ils vous laissent deux rankings d'avance. Justement, ça serait bien qu'ils reviennent pour voir si c'est la même chose ou pas. Ouais, moi, j'ai pas interprété ça comme ça, lui. Hein. C'est un tone, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment pour dire qu'il a défoncé la gueule.
Alors, nos amis qui cherchent je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah oui, ah très bien. À chaque fois. Ah. Contrôles. C'est parfait ça. Alors, on se rappellera. On se rappellera de ne plus faire passer Merde en stream. Après, son roller sera prêt. À moins qu'il change pour chaque match, mais. Ouais, bah. Tant qu'on y est, hein. Bon, on va changer à chaque match. Qu'est-ce qui, je pense, va jouer Fox? Je pense, hein. Mais qui dit pas respecter son adversaire. Il joue un random. Il a un Ike et un Falco occasionné. Après, maintenant, bah, après, il a gagné le ladder la dernière fois. Enfin, pas la dernière fois, mais l'autre la fois dernière fois. C'était pas un ladder, c'était un tournoi amateur. Ouais, entre guillemets. Amateur, c'est pour dire à tous ceux qui ont fait 0-2, quoi. Les nuls. Meilleur des. Le meilleur des nuls. Pardon, le plus fort des nuls. Devant vos yeux. Ça parle mal, hein, c'est pas bien. En plus, en nom de stream, j'ai mis ranking. C'est vraiment, je mets fit, écho, machin et tout. Là, j'ai mis fit tous les plots de Gamers. Total respect des conventions de Genève. Exactement. Le respect, c'est très important. Il n'y a pas Yuya, c'est Yuya, j'aurais mis Yuya, tu vois. Yuya et les plots de Gamers Garden. Il n'y a que Yuya qui mérite du respect, c'est ça. Ah là, mais je crois qu'il n'aura pas perdu. One Ball aussi, j'aurais pu mettre, j'aurais mis Fit, Yuya, One Ball et les autres, etc. Et, oh, voilà. Et le ladder amateur. Et le ladder amateur, tout à fait. Eh bien, je crois que nos amis avancent. Premier des scores à zéro. Qui le joue, c'est Mernan. Allez les gars, 2 secondes s'il vous plaît, vous êtes de quel côté? Donc là, il est à droite. C'est là ce qui jouera Ike. Donc il a décidé de ne pas respecter son adversaire. C'est aujourd'hui, personne n'est respecté. Personne ne sera respecté aujourd'hui. C'est comme ça. Vous pouvez y aller les gars. Je n'ai effectivement, mais je suis dans un sac. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Nous avons un qui commence avec bonne ouverture en neutral. Et Yuya, je vais essayer. J'ai remis. Désolé. Ouais, il y a Crignard qui a bien suivi. Ouais. Il a remarqué à quel point j'étais un récupérateur très très naze. Ouais, c'est bah oui, oui, c'est là, il a décidé de ne pas respecter son adversaire, apparemment, donc. Il a décidé de prendre Hike pour ne pas le respecter. Ouais. Il a montré. Oh, et le kill que Merlin prend avec ce B. Ouais. Il a remarqué que Céleste c'est beaucoup. C'est très rare et en avantage. Ah, mais ouais. Il reprend le stock tout de suite. Ça revient vite. Lui, il me dit qu'en vrai, il a un Hike, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il est pas mauvais, on a joué ensemble. Alors, nouveau de son Fox. On va voir. Après, Merlin, vu, Merlin, c'est pas. Ouais. Il a mis 3-1-15 quand même, tu vois. Bon, après, bon, pas une échelle de valeur très. Pas très élevée, tu vois, mais bon, c'est quand même 3. C'est un 3, hein. Autoritaire. Après, si tu vois le verre à moitié vide, tu peux dire qu'il a aussi perdu une game contre 15. Bon. Bon, voilà. En vrai, Merlin, on trouve beaucoup d'ouverture dans le neutral avec son commande grab. Oui, oui, oui. Quoi? Oh. Bah, ouais. Ça va, on est que 12, hein. Oh, c'est S qui prend le kill avec une dash attaque. Ouais, mais alors faut savoir que au premier ranking amateur qu'on avait fait, donc Merlin avait tué 15. Je crois que c'est une grande rivalité en fait entre eux.
s'entretue. Là, s'il y a déjà un avantage. Là, kill pour Sand, il faut faire attention. Fernand qui fait pas grand grave pour essayer de Arthur. Ah oui. Ah voilà. Oh, c'est un an qui se fait reverse sur le Edge Guard. Hey, il faut le tuer normalement là. Ah, il arrive pas à revenir. Yes. Wow. Passe davantage de Céleste. Il prend le kill sur Forward Tilt. Bon, après, en vrai, Céleste c'est du lourd quand même. Hein. Ouais. Parce qu'à chaque fois, il dit je suis une fraude, mais bon. Hein. Ça finit souvent top 3 quand même là. Voilà. Un peu comme lui, moi j'aime bien me placer toujours en tant qu'Oxider, tu vois, comme ça t'as pas de pression, voilà, tu vois. Mais bon, si je perds, c'est normal, si je gagne, c'est juste que t'as été nul, tu vois. J'ai été ultra fort. C'est ça. Donc c'est gagnant-gagnant. Ah ouais, non, mais c'est une pro d'homme. Ah, donc ça, touche history pour on a compris le mind game. La deuxième manche. Un petit Yoshi story. Donc 1-0 ouais, pour Céleste. Une map qui je pense est à l'avantage de Mid-Brawler. Ah ouais. Tu vas pouvoir trouver sa bille un petit peu plus facilement et tu es plus vite par le haut. Je pense que c'est pas un mauvais choix de map. Rire, tu as joué contre Nalit, ouais. Nalit, il est dans le canal. Nalit ! Nalit ! Si tu réponds pas à ton pseudo, je vais taper tapis de souris. Hein, maintenant, tu trouves la première ouverture en neutral. Regarde, tu joues contre notre ami Rire. Oh, c'est beau. Tu t'approches pas ton lui parce qu'il est malade. Hein. Quand tu il y a un plexi entre vous deux. Le premier est trouvé. Attention. Avec ses neutrales, retrouver ses compos. Ah, il y a du. Il y a du supporter de Nalit. Malheureusement, s'il ne gagne pas là, il passera pas en stream. Malheureusement. Ah là, il va jouer, il va faire son match off stream contre Rire là tout de suite. Et bon, personnellement, je pense que Rire a plutôt l'avantage. En tout cas, ça fait plaisir qu'il soit venu. C'est pas qui tu es, l'Hollyward, si on t'a vu à Etré ou quoi la semaine dernière, mais en tout cas, Nalit, je sais qu'on l'a vu là-bas et c'est super cool qu'il soit venu. Fernand qui vient de trouver le premier kill avec un FB. La plateforme. Pas d'avantage de Céleste. Qui envoie son adversaire dans les airs, qui essaie de l'empêcher de redescendre. Après, c'est parfait. Le match est clean à Guy 2. Comme ça, les deux commentateurs ils jouent ensemble. Ouais, ça, on aime. Il y a plus de casse ouais, on aime. Ce soir, bah, je raconterai si Yuga il veut parler avec moi sur le stream, bah, on discute pas. On parlera chiffon. Ah, un autre hub qui est trouvé. Sinon, je parlais de LOL avec encore Caron. Un kill trouvé sur le hub par Bernard. La stratégie qui marche pour le moment. Céleste qui reprend tout de suite le kill derrière. Et une stop de retard. Ah, il me semble que Céleste a déjà commenté. Hein, si... Après, il fait pareil. Il fait pareil que pour jouer, il dit qu'il ne sait pas commenter, mais en fait, bon. C'est une fraude. Ah là, c'est ça. Top 3 caster. Il va arriver là, il va lui mettre la hype comme Jaja. Et maintenant, qui a un bel avantage sur cette game. Il trouve encore un B. Peu grave, il me semble que ça, c'est trop. C'est là qu'il va devoir faire attention. Dernière stock et bientôt à kill pour 100. On va faire attention à la manière d'approcher. Et là, ce qui se trouve, flash attack. Un dans le strap, mais il arrive à en sortir avec le down B. Il se cherche, flash attack, toujours pas de kill. Ah ben non, il est bien là. Ah, et il y a beaucoup de down B pour sortir du désavantage. Ça a l'air de plutôt bien marcher pour le moment. Hey. Oh ah là là. C'est encore faisable, c'est. Ah bah oui, carrément. Ça peut aller très vite avec Ike. Est-ce qu'il y a un désavantage? Bon. Il va en sortir. Hey. Et un smash en sortie de Chine. Voilà. Bernard qui prend la game. Un partout. Bien joué à lui.
a réussi à exploiter l'agressivité de son adversaire et utiliser l'avantage à son avantage. On va voir ce que choisit Céleste pour la prochaine game. Arrêtez sur ça. Je sais pas, effectivement, il va peut-être changer. On ça sera small battle kill. Ah, et Céleste qui sort son Fox. Le respect revient. Le respect est de retour. Mais bon, chambre adversaire, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faudra peut-être penser à gagner aussi. Ah, on va voir, maintenant, merdant, ce que ça va donner aussi. On va voir ce qu'il va donner. Céleste qui trouve la première ouverture, le premier coup. Encore un autre. Ah non, qui répond. C'est là ce qui utilise beaucoup de flash attack pour trouver. Oh, mais maintenant on commence à comprendre. Il va falloir changer. À la prochaine. Oh, le père qui est trouvé. Maintenant qui est à 10%. Ah, le moindre neutre à l'air devrait amener un smash. Et Céleste. Maintenant qui envoie son. Personne n'a l'avantage. Ah, le up est raté. Et le kill. Ah. Et là, ce qui est à 10%, il va falloir faire attention. Deux personnages ont des outils un peu similaires pour tuer par Out of Shield. Que veux-tu en ligne? Ce qui trouve combo. 26% de gratter déjà, 38%. Continue de gratter. Rentabilise ta stock. Oh, attention. Et c'est le kill qui est trouvé par Mernan avec son B. Et là, est-ce qu'il saute beaucoup en neutral, en désavantage. Il faut faire attention à ça. Oh, la belle ride. Le smash avant trouvé sur la zone rouge. Est-ce qu'il y a une bonne stock d'avance? On va falloir qu'il trouve les combos. Ne prenne pas trop de dégâts s'il veut gagner cette game. Rab, B qui est trouvé. Céleste qui utilise sa dash attack pour couper les combos. Attention à ne pas devenir trop prévisible. Ah, ça marche quand même. Ah, la feinte de saut pour attaquer. Oh, le net. Oh, le smash, ça tue pas. C'est fini. Le juggle qui a très bien marché. Ça nous fait donc 2-1 pour Céleste. 2-1 pour Céleste, tout à fait. Quelqu'un qui te conseille en Tari. Ouais. D'accord. Ça marche, je suis bien, merci. On est là pour le training, hein. C'est ça. Ouais, pas si évident, ça a l'air de commenter. Ah, mais commenter, c'est un vrai taf, hein. C'est ça. Savoir meubler, savoir donner des informations pertinentes. C'est ça, c'est ça. Et commenter, c'est pas décrire ce qui se passe, c'est expliquer, en fait. Ouais. Parce que dire que le mec il a pris tel coup, bah, les gens le voient, en fait. Voilà, c'est ça. Savoir plutôt pourquoi il l'a fait. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. C'est ça qui est plus intéressant. Dans la place. Radio, c'est. Allez, si tu peux, ouais. Sur la dernière game. De toute façon, après vous jouez ensemble. Donc, ouais. De toute façon, après, j'ai mis Céleste, il m'a montré ça. Ah, on a Mernan qui passe pour Little Mac. Sur Little Mac, ok. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. Commentary. Parce qu'on. Céleste joue très aérien. On sait pas comment. Après, Mernan va trouver la solution contre ça. Les bonnes niches. Mernan avec Little Mac, il peut. Faire des choses. Fait très vite. Avec ses prios, il va pouvoir subir. Rapidement les combos comme il aura un juggle plutôt mauvais, et là en attendant c'est Fox qui enchaîne avec ses petits forward air sur le Little Mac, un peu de mal là dessus mais maintenant qui reste au sol, qui couvre bien les anti-air,
on essaie de mettre un forward air pour essayer de mettre son adversaire en clank. Ah non, c'est pas forcément un mauvais choix parce que effectivement Fox c'est pas un bon perso d'edge guard. Ouais. C'est un des points faibles de Little Man, donc il pourra probablement pas l'exploiter. Après, c'est vrai que Merlan une force de frappe peut mettre une bonne pression on shield. Et si Céleste ne veut pas tenter d'aller chercher son adversaire extérieur, c'est sûr que Merlan aura un avantage clair au offstage. Ah, et en attendant, là on punit la roll avec Chase. Un bon up smash. Et là, on met un gros up smash, tout simplement. Super, on profite de la super armor du coup pour pouvoir frapper dans tous les cas. De la part de Merlan. Beaucoup de smash de la part de Merlan, qui veut tuer vite. Ouais. Efficace. Avec les armors, là, on essaie... Oh oui. Céleste qui a été patient, il n'a pas puni avec le back air pour laisser son adversaire dans l'indécision lors de la prochaine fois que ça va se produire. Là, en attendant, Céleste... Il réagit vraiment en Weasel Punish, hein, vraiment. Ah là là, oh, le était beaucoup trop haut. Ouais, beaucoup trop haut et on en profite. Côté c'est Céleste. Le up tilt, on essaie d'enchaîner avec le up beam. Malheureusement, Céleste crame son saut directement en fait, tout simplement parce que il a pas la hauteur de saut pour pouvoir le rattraper. Le mec ne saute pas assez haut. Et là, oh, le tilt qui va tuer. Malheureusement, je pense que c'est une mauvaise IA de la part de Céleste. Et on voit quand même que Merlan a du mal à aller trouver des phases sur Fox. Comme Céleste, c'est très aérien. C'est difficile de trouver les combos. C'est ça. Là, Céleste, il commence, il fait des combos starter et il les finit pas. Et là, Merlan, qui sait pas, en fait, il bégaye. Et en fait, on laisse son adversaire retomber au sol pour le punir ensuite. Là, on a voulu tuer comme sur Melee, en fait. Oh, le contre bien trouvé. Oh, il y avait le saut, monsieur. Il n'a pas eu le B qui arrivait trop tard. Ouais. Heureusement, c'était assez court. On n'a pas eu le temps de voir le tout potentiel du Little Mac, mais c'est vrai que Céleste a mis une bonne pression. Voilà. Après, le prochain match en stream, je ne sais pas ce que c'est. C'est nous, je crois. C'est nous, en stream. C'est beau. C'est beau. Eh ben, messieurs, vous pouvez aller jouer. Très bien. On est en stream ou c'est quoi? Ah, mais c'est possible. Et là, tu viens à un cast du coup? Ah oui, je veux. Hein. Je veux fort. Un magnifique match. Perdre avec Fox, c'était un choix. On va avoir pas de choix. Certes. Donc, on va avoir un gros match contre Crignard. Bon, je pense que. Ouais, je pense à rien, non, j'ai rien à dire. Alors. Je ne m'avance pas. J'attends Céleste qui va venir caster à mes côtés. Sa grande bienveillance. Hein? Ah, merci beaucoup. Les gens bien, ils annoncent directement leur position. Ça, on peut directement rentrer. Et les sont nos overlays. Ah, et ça c'est bon. Attends, ah mais c'est quel joueur t'as dit? C'est quel joueur le 1? Ceux qui est en 1. Voilà. Guide 2 et 1. Tiens, il fout. Ouais, il est parti faire pipi. Là, un vrai joueur de ce match, je crois qu'il a épicé avant de faire son stream. Le classico. Oh, il y a un gros 15 rire qui se joue en loser 4 bras. Aïe aïe aïe.
Ouais, dame, dame. Ça va et toi? Bah, nickel, hein, ça va, ça va. Ah, ouais, bah attends, t'es déjà bien, toi, là. T'es arrivé où, là? Bon, ah, demi. Demi. Oui, là, tu vois. Oh, t'as gagné qu'un match, je joue contre qui après? Oh, tu joues contre Guy de. Orline, pardon. Orline. Ok. Ouais. On joue avec, hein. Non, je déconne, je fais bon avec le hike, mais vaut mieux pas. Caro et Yuya qui te saluent. Hey, coucou Yuya et Caro, comment ça va? Ah, on est chaud et marron chaud. Parti. T'es prêt. Donc, t'en penses quoi de ce match? Tes prédictions, l'expert? On est aucune idée. Ouais. Zelda Megaman, mais vu ça déjà. Mais ouais, on verra bien comment ça se passe. On va dire que je connais un peu plus Megaman du coup que Zelda, même si ça devrait être l'inverse. J'ai autorisé ton commentaire, Lia. Eh, dis putain. Mal de dire des jeux. Oh, du coup, qu'est-ce qu'on en est là? Ou parce que Guido, il s'est pris un peu plus de pourcentage déjà dès le début. Je sais pas non plus s'il a l'habitude, s'il a déjà joué contre Ignar. Je crois que c'est jamais arrivé. c'est Orlin au bon goût de Chamonix. Qu'est-ce que ça devient? Eh ben, écoute, Orlin et son palais. Son palais douteux. Oh là, on arrive déjà vers la fin de la première stock, du coup. Parce que Yuya, t'étais pas là la semaine dernière, mais tu sais que le mec, quand même, il peut du Ricard, en plus. Et il trempe les Chamonix dans le rhum arrangé, tu vois. Là, vous demandez, la gueule du mec, quoi. Ah, là, c'est bien vu, Nard qui prend la stock sur le backer. Ah, mais du coup, c'est intéressant parce que Zelda, elle a un réflecteur aussi. Plus devant rien, je trouve. Bon, en attendant, bah, ouais, c'est quand même relativement serré ce match, hein, finalement. Bah, on va dire que Krigdar est un peu devant, mais connaissant Zelda et Guy 2, bah, ça peut aller très très vite aussi. Bah, c'est surtout des phases où ils se cherchent, ils font un coup, ils se cherchent. Ça se jauge. Ouais, j'ai l'impression, après, c'est que la première partie. Hein. Ah, c'est ça, ouais. Prenne leur temps. Prenne leur marque. Quand Ragnar il se fait avoir avec sa propre bombe. Pour le faire qui tue, d'accord. Là, il y a combien qui prend un net avantage de ce coup-là? Est-ce que c'était une mauvaise DI? Je ne sais pas, mais... Là, j'ai l'impression qu'il a du mal à approcher le Megaman aussi. Hein. Malheureusement, je pense pas qu'il soit... À moins que je le répète, Lia, mais... Je sais pas si c'est faire... Bon après vu la branlée qu'il prend bon. Et j'ai l'impression d'idée, il fait pas de chevalier en fait. Ah c'est ça que je lui ai dit en fait. Il dit ça lui. Plus de chevalier et moins de CP. Ouais parce que là il fait pas comme d'habitude j'ai l'impression. Ouais, j'ai plus l'habitude de le voir juste avec ses chevaliers comme ça. Il a peut-être une raison de pas les sortir, je sais pas, parce que des fois il les sort pas sur certains match-up parce que. Ok. Ouais, je sais pas. Ah, peut-être pas une bonne raison. Retire peut-être une profondeur à Zelda qui. Ouais, je pense que Zelda, c'est vraiment pas mal quoi. Oh là, ça tue mal. Par contre, il a tué là, voilà. Bubby. Est-ce que ça va être possible de remonter top quasiment complète? On va voir. Après, s'il joue bien avec son réflecteur, je pense que c'est largement faisable. Après, ouais. Je pense avantage. Petit à petit, il commence à regratter quand même. Pas trop tard. Ouais, ça, c'était le. Ouais, c'était tendancieux. Ça. La spéciale Guy 2, ça, le petit talon. Heureusement que ça n'a pas touché. Ah, ça tue. Ouais, ça tue. Guy 2
Il y a ton coach Yuya qui dit que tu fais pas assez de chevalier et trop de TP. Krignar, en gros, t'es un grand garçon et que t'es fort. C'est un family man, Krignar. Ah, il a rien à apprendre de vous. Mon guitar a répondu ah ouais. Voilà. Ah ouais. Il avait pas l'air d'être très intéressé par l'info, ouais. Mais on va voir, peut-être qu'il va la prendre en compte quand même. De toute façon, je pense que ça très vite se voit. Match de quoi les Red Bull, il y a Krignar qui en a bu une, il y a HBK qui en a bu une avec moi quoi. La dernière c'est alors Battlefield, peut-être que ça a laissé un petit peu plus d'espace à Zelda. Intéressant aussi le fait que il y a certains coups de Megaman qui sont annulés par le build de Zelda. TP encore. Hein. On pourrait arrêter les TP, hein, monsieur Guideux. Là, on a Enkier qui a battu Timéo 3-0. 15 qui a battu HBK 3-0. Et donc ben. Là, on a un match 15 rire. J'ai l'impression qu'il y a plein de nouveaux, c'est cool ça. Ouais, bon, ça va, ça va. HBK a perdu 3-0 contre 15. La TP qui punit encore. Pierre qui a battu 3-0 Nalik. 15 qui a battu HBK 3-0. Hop. Et... oh, c'est le smash qui va prendre la première stock, ça. Mais la pourcentage de 2 qui est déjà bien élevé quand même. Ah là, c'est un coup peut tuer. Hein, t'as l'impression qu'il a écouté les conseils du coach. Alors déjà il y a un peu plus de chevaliers. Ah, okay. Il y a quand même des TP que je ne comprends pas. En même temps je joue pas Zelda. Mais... oh là là. Ou ça c'était. C'est dangereux ça. Oh ah, le smash là, qui va tuer. Il l'a pris. Smash de Megaman qu'on dirait pas, mais même la petite boule est puissante, c'est incroyable hein. Je pense que toute la vie difficile pour Krignar est de jouer autour du neutral beat Zelda pour pas qu'il se fasse avoir. Qu'est-ce que... Yuya qui dit la tech de Zinzin, effectivement. Personne n'aurait cru qu'il fallait tech là-dessus, mais bon. Nagui 2 qui du coup reprend un petit avantage. Oh, le chevalier qui a failli tuer. Oh non, ça c'est dommage de Guideux. Ah là. Le petit dérapage de la Zelda. Ouh, le Lich qui a annulé carrément le smack. King Krignar du coup, il va chercher à gratter le plus. Ouh, le talon. J'ai rien dit. On va égalité du coup. Ah là, c'est Yvonne totalement. Ouh, il veut tenter des dingueries. Il marque, il joue safe. Hein. Ah, il s'est encore pris sa propre bombe. Il aime bien les zones rouges comme ça en TP1. Hein. Oh, la TP qui peut être punie, effectivement. Va peut-être même être plus puni que ça. Harry, c'est qui? Raté. Il raté pour la TP. Et c'est puni. Ça meurt pas encore. Oh.
Ah, est-ce que c'est puni? Ouais, c'est puni. Ah là, un talon de Guido, ça peut très vite finir aussi. Hein. C'est tendu cette fin de partie. C'est revenu à Even. Hein. Ah. Ah, ça tue pas encore, ça tue pas encore. 163 la Zelda. Ça roule. Effectivement, c'est car. Ouh, ça c'était dangereux. Et ça tue par contre. Ça, ça tue. Ah là là, Guido. Jamais je me soucie, d'accord. Il a dit, il a juré. Jamais je me soucie. Bon, du coup, si il la prochaine partie, il a perdu, c'est ça? Ah, on regarde pas. 2-0 pour Krynia. S'envol vers la finale winner. Ah, ça va être ça. Hein. C'est ça, ouais. Fini. Eh, le tournoi il avance vite quand même. Ah ouais, bah, bah c'est un peu lent parce que là, bon, on est en full BO5. En BO3, pardon, mais. Un BO5, t'as raison. Non, BO5, non, j'ai... Ça, c'est Fond qui me perturbe, mais. Et bah ouais, c'est, ouais, ça va. Ça va, c'est un bon rythme quand même. Ça va. Après, est-ce que vous, vous appréciez aussi plus d'avoir que du BO5? Est-ce que ça vous. Moi, j'aime bien les deux, donc. Ouais, surtout pour encore moi, était pas beaucoup. Bon, ouais, c'est beaucoup, ouf, le kill rapide là, le feu dans le feu là. Tournoi, mais... ah non, c'est bien, c'est vachement profité en plus du bracket. Ouais. Ouais. Quand il n'y a pas grand monde comme ça, c'est. Là, on a Krignar qui. Un petit désavantage hein, quand même, une stock de moins. C'est Guido qui va prendre le chevalier. Qui va essayer de gratter le plus possible la stock, peut-être même en prendre une autre. Et il cherche même pas à esquiver les mines, il veut du sang. Aide. Un petit passe de Hellstrap qui peut être dangereuse pour la Zelda. Et ça tue. Le bon smash. Guido qui a quand même pris une bonne avance quand même avec ses 100%. Et mine le magnifique talon. Oh, ça fait vachement vite. Ah, ça aurait pu être puni, je sais, de la part de Guido. Ah, ça, par contre, ça. Les TP, il continue les TP. Ouh, le bon spike de Krignar. Sur une TP. Parti pour le grattage du Luffy. Et deux petits upper. Ça y est, on est reparti à Even à peu près. Ah, la TP. Encore une fois. Il veut remettre le même, hein. Il veut remettre le même. C'est qu'il y a au stage, ça va être compliqué. Alors qu'il prend le. La TP. Toutes les interactions bizarres qui s'enchaînent. Shoryuken qui va pas encore tuer. La TP. La TP, il l'a puni. Ça tue pas encore malheureusement. Nar, j'ai l'impression qu'il a envie d'en finir ici. Et c'est Guido qui va prendre la game. Ah, pour le Guido! Enfin, pour Krynia plutôt, mais. Ouais, c'est ça, Guido qui vient de prendre la game là. Ouais, ouais. Gaman, il triche avec son gogo gadget au bois. Ah, mais Gaman, il fait tout. Allez, Guido! Il veut aussi en finir là, je pense.
À part sur PS2, il n'a pas un peu bon. On part sur les mêmes personnages, évidemment. Et c'est reparti pour quatrième match du vidéo déjà. C'est ça. Ah, et peut-être qu'en rebond, hein. Peut-être qu'il va arriver 3-0. On y croit. Tu vois, il prend déjà une bonne petite avance là. Je pense que Guido il a un peu plus prouvé son jeu là que les deux premières games. Ah, à chaque fois qu'il recule, mais pas assez pour. Il se prend quand même les TP. Dommage, la punition n'est pas passée. Belle attente de la part de Trignard, malheureusement il va encore se prendre la TP. Bon fer. Ça peut être reverse, attention. Aïe aïe, dommage. La punish qui est pas passé. Trignard qui n'est pas bien là. Ah c'est bon, c'est la mort. Ah, qui a loupé la punish sur la TP qui était manquée. Le shield. Super. Donc il va pas encore tuer. Ah, c'est juste derrière. Continue avec ses chevaliers. Il va toucher, il continue à gratter, hein, il continue à gratter. Ah, il est bien là. Ça tue pas encore à 150. La TP. Là, fallait l'avoir. Et le bon père qui va tuer enfin les Zelda à 160. Les deux qui a pris une bonne avance à 100, de 100% quand même. Peut-être même une stock sur cette phase là. Exactement. Vous voyez qui vient punir. Le bon notre ami, enlever le lit. Ça punit, oui. Casse le chevalier. Non, pas. Ah, du deux. Oh, les interactions bizarres là, c'est les interactions Mega Man ça. Ah là là. D'accord avec toi, Yuya, Krignar, il se prend beaucoup trop de TP. Non, ben je... Ah, ça y est. Revenu un peu, Ivan. Pourquoi tu dis ça là? Ah, ça y est, mine, c'est là, exactement c'est Ivan. Oh, la petite punish. Arrête, après, on va prendre les trucs. T'as pas eu ça? Le Shoryuken, ça va être puni ça. Attention à pas mourir sur ça. Bon backer qui remet Zelda off stage. Petite slip. Pas pris la TP, c'est pas pris la TP. Là c'est tendu cette fin de partie. Il n'est pas bien. Ah, Guido est pas bien, mais. Tout peut se jouer en une seule interaction, on sait que Zelda c'est un bon kill power. Oh, et c'est là, la mort là, malheureusement là, il attendait, il était attendu, il a pris de Krignar. Il a pris. Oh, c'est le câlin entre les deux joueurs. C'est beau, l'amour, la paix, l'amitié. Bah, et la défaite. Un bon match quand même, hein. C'est pas un bon match, tout à fait. C'était assez serré. Et bah écoute, moi je vais te laisser. Bah ouais, bah écoute, je vais te laisser passer en stream d'ailleurs, tu vas aller jouer pour prendre. Ah bon? Ouais, ouais. Encore? Bah en même temps, on est pas beaucoup donc. Et bah je reviens dans pas longtemps, écoute. Voilà, on fait comme ça. Torline. Torline. Ah. Tout là. Et les gars, est-ce que vous voulez venir parler de ça en stream? Allez, venez poser votre cul là. Je t'en mets juste les scores et tout au Calmus.
Là on est en demi-winner d'ailleurs, j'aurais dû marquer ça. Le Yuya il a des termes à te dire aussi. Ah mais je comprends. C'est mais Fournier, il est chaud hein. Fournier, il est chaud, j'en ai jamais douté. C'était serré. Pas la première game, Adapté. Ouais je me suis dit tant pis la première game je la perds. Et derrière. Voilà, je te laisse travailler ton chip. Ouais. Hop. Allez, dans le stream, ouais, c'est un gros match. Après, intense. Attends. Un gros match, j'aime bien. Mais j'ai envie de refaire le match, tu vois. J'ai envie de faire remonter. Faire remonter, on se voit en grand final. Ok. Pas sûr d'être à portée sur le Kuya qui dit que j'aurais dû juste bouclier et up tilt sur ton TP, ouais. Mais j'étais pas sûr d'être à la bonne portée pour faire le sweet spot. Ouais, non, c'est totalement fort. Mais c'est vrai que faudrait que j'essaye ça, j'ai pas essayé. Mais ouais, j'ai essayé capturer une game, j'ai essayé de prendre la deuxième. Ouais, la dernière était serrée, t'avais l'avantage, ouais. Il me semble. Hein. Ouais, en fait. J'ai essayé de me dire ok, le mec il a gagné deux games, il est un peu en confiance, je vais lui mettre un combo pour le Desta, mais toujours bon, certes t'avais une certe Desta, mais au bout d'un moment tu reprenais ton jeu et du coup tu remettais à l'amende petit à petit. Et bon, le seum c'est sur la game 2, mon petit speed, j'avais la game, putain j'ai trop le seum, mais ouais. C'est pas grave, c'est vrai. Et franchement gros match, pour chaud les matchs, ouais. Ouais, je devrais m'avancer. Pas 50-50, hein. En réalité. Ouais. En réalité, ouais. Et des best of 5, c'est... Ouais, bah tu vois, là, quand t'es un BO3, tu m'aurais sorti direct. Et là, c'est BO5, donc on avait le temps un peu de... J'aurais pu remonter, mais... Ah, tu t'es bien adapté, parce que la première, c'est vrai que j'avais moins de difficultés, entre guillemets, de choses qui m'embêtaient, et sur les games d'après, c'était... Ouais, les choses où j'ai du mal à trouver des réponses. Ouais, après... Ballon qui brief le démon. Ouais. Après, ouais, tu vois, c'est toujours. T'as toujours des bonnes DI. Je sais pas, je me dis, ok, là, ce grave là, il va DI comme ça, donc je pourrais finir avec tel coup, mais en fait, à chaque fois, c'était l'opposé. Ouais, oh, en fait, j'essaye d'alterner. Ouais. Parce que je sais que, en fait, c'est pas trop, c'est un 50-50 sur la bounce throw. Il faut juste. Bah, c'est un penalty, quoi, faut choisir le bon côté. T'avais choisi tout le bon côté. Quand tu choisissais le mauvais côté, et ben mon talon, il whiffait, donc j'avais le seum. Et voilà. Voilà, c'est plus d'exécution que. Et ouais, il y a eu une sorte de pression qui est redescendue dès que bah, tu peux me décode, hein. Le pire, ma manette, elle est juste là. Et ouais, enfin, quand j'ai pris la première game, j'ai dit putain, mais oui, je peux l'avoir. Bon, après, c'est vrai que la game a été ultra close. Ça s'est fini, on était plus de 250, un truc comme ça. Ouais, ouais. Toutes les games quasiment étaient rastites. Quand t'es en situation de danger, c'est plus compliqué de trouver le kill que sur des situations où, ah bah tiens, je suis à 60%, ça va, je vais pas mourir. Et c'est à ce moment-là que je veux te mettre la totale, tu vois. Et à chaque fois, j'essayais de te mettre des petites frappes, et à chaque fois, c'était suffisamment attentif. Bah oui. Ah oui, du coup, oui, je passe en... Ah non, t'as pas changé les noms. Donc le J1, J2, c'est qui? C'est Orlin. On nous a dit de meubler en parlant du match. Allez. Donc on a meublé en parlant du match. On a meublé en parlant du match. Et donc, on va avoir Lucas contre Fox. Ouais. Et donc, les scores sont à 0. C'est bon, vous pouvez lancer le match quand vous voulez, les gars. C'est là ce qui va jouer Ike. Ah non, non, on est sur Fox. Un Ike, mais c'était pas Ike. Il a un hike. Ouais, il a un hike. Je sais pas qui va compter. Peut-être le perdant de ce match là. C'est Orlin avec le match. Ouais. Game food. Excusez. Orlin qui joue Lucas avec le skin Game of Garden. Ah, bien sûr. Pour représenter quand même. Ce que ça donne ce match-up, on connaît là, pas. Aucune idée, c'est. Le truc, c'est que des Lucas, il y en a pas des masses, enfin, à part Nitox, bien sûr, à haut niveau français. Et il y a plus de Fox que de Lucas, quoi.
Link est déjà à 8%, on a vu le premier smash. Ouais mais... Fox. Les personnages comme Lucas, c'est les bons personnages à Reaper. On est un peu similaire là-dessus, entre Orlin et moi, c'est que nos personnages ils sont très bons en reverse. Ils sont ultra dangereux à haut pourtant. Voilà. Le petit backer côté Fox, Orlin qui revient tranquillement, ouais, on lâche le bord et on prend un backer, c'est malheureux ça, c'est malheureux. Commencez à gratter, c'est dommage. Mais rien n'est perdu. Ah là, les fameux combos Lucas, de Donner, un petit. Cherche un peu en neutre là. Qu'est-ce qui est toujours très aérien. Flash attaque. Une finale. C'est Winner Semi, oui. C'est Joker Merlant qui affronte moi. Ah d'accord, Joker Merlant. Orlin qui arrive à prendre le kill. Voyant Céleste un peu trop loin, qui ne fait pas revenir avec plutôt. Le perdant de ce match là affrontera 15. Et du coup, apparemment, Rire s'est fait battre par 15. Oh là là. C'est bien la première fois. Moi, ça m'arrange. Hein. Mon démon braquette, il est tombé. Il est tombé. Rire, c'est... son Falcon, il est anti-Mazeldin. Oh, c'est bien non, joué, oui, ça. C'est très bien vu. Ah, dommage. Ah, le tout frame qui est pas passé. Là, on risque d'avoir un match serré. Hein. C'est juste que, hors ligne, il y a un petit temps d'adaptation... Et si la première game part, c'est ça, et puis on est sur un... Voilà, ça c'est des bons setups. On est sur un best of 5, donc ouais. Ça laisse le temps à l'adaptation. Ouais. Plus de temps en tout cas. Ah oui, ça permet aux gens comme moi de te prendre une game. Ah ouais, on vanne. Le hub de Lucas qui est vraiment très ouais. Fort pour être garde de... Ah ouais, dommage, quoi. Il aurait fallu chercher peut-être un peu plus bas. Mais Orlin va pouvoir justement ce hub ça peut être une option pour rendre la panique à Céleste. Il pourrait même après avoir pris le deuxième saut, essayer d'aller chercher la recovery de Fox. Hein. Hop, le petit nerf côté Orlin. Orlin là, c'est que du bénéf là. Et s'il met des pourcents, c'est que du bénéf. Il va pouvoir gratter. Là, il va gratter. Là, il va essayer de gratter. Ouais. Il faut trouver le moment. Et là, c'était quand même bien vu de la part d'Orlin parce qu'il a eu la. La bonne DI ou peut-être que Céleste n'a pas été suffisamment patient pour finir. Ouais. Et là, toute la plateforme, le upper. Et donc les compteurs sont quasiment à zéro. Orlin, il va falloir qu'il soit solide et qu'il arrête de bourrer les forwarders n'importe comment alors qu'il pourrait faire des notes. Je trouve que si je me trompe pas, Lucas a beaucoup d'attaques safe. Ouais. Oui, il peut se permettre de bien space. Il peut marteler un petit peu son adversaire et pas craindre la punition. Et en fait, à chaque fois, tu marqueras que Orlin, il essaie toujours de taper in, alors qu'il pourrait se permettre de taper safe. Orlin, c'est un mec qui bourre en fait. Ça a l'air de marcher pour ouais. Lui. Oui. Il a pris le deuxième saut. Ah, non, dommage. Là, on était mal positionné. Hein. Mal positionné pour faire ce down smash. Voilà, on reprend le bord tranquillement. PK Fire, le reflect. Oh, le reflect sur le side B. Est-ce qu'on va se faire reverse comme ça du côté d'Orlin? Oh là là, la zone rouge! La zone rouge, monsieur! Il l'a vu! Il était plus patient que son adversaire. Le fer de Lucas sur le chip, c'est moins 2. Merci, Louia. Je suis en train de lire les commentaires de. Ah ouais, moins 2, oui. Voilà. Plutôt safe, effectivement. Merci, Louia, pour ce petit message. Merci, notre base de données. C'est là qu'il pourrait casser. Ouais, il pourrait casser. Hein. Faudrait lui mettre une voix de robot comme il aime pas caster, mais au moins il va tout commenter au clavier. C'est ça En mode Stefano Kings. Et là, du coup, on part sur la deuxième game et je pense qu'on va avoir un match extrêmement serré. Voir si Orlin a réussi à prendre les informations. C'est ça. Bip bip boop, bien sûr. Je pense qu'il a trouvé quand même des pistes. Notamment oui. En Edgeward où il était pas loin de le prendre le tout frame. Le truc, c'est que Orlin, c'est le fervent défenseur de quand il y a un truc qui marche, il. Et, il a raison. Voilà. Et il a tendance peut-être trop à le perdre. Et donc si Céleste voit ça, il trouvera les bonnes punitions. Ah là, oui, bah, là on cherche. J'attendais la tech, je pense. Et le Jablock avec son serpent. Et là, en attendant,
Orlin, il se fait jongler par le joueur de Fox. Ça a commencé un peu pareil la première game et puis il vient remonter. C'est ça. Et là, oh, très bien mis de la part de Céleste, et ça prendra pas le kit. Hop, attention à ces moves là qui sont pas très safe, surtout à 10%. Nair up smash, c'est fort. Le petit backer. Céleste, il est carré sur ses backers. Peut-être que une map comme DF ou écarté comme Holo Bastion serait plus à son avantage. Des plateformes peut-être pour sortir du ledge trap. Là, en tendance, Céleste est en train de d'appliquer son rouleau compresseur. Ah. Orlin qui a pas encore eu de phase où il a réussi à vraiment mettre son adversaire en dehors du stage pour essayer de faire la OT. Ah, on se fait reflect. Très beau reflect. Est-ce qu'il a trouvé la parade? Ouais. Oh, on a été très patient là-dessus. Ah oui, t'as bien attendu. Oui, là c'est à... loin, c'est loin. Oui, 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 ça revient ça, pas. Ça pue, il avait plus de deuxième saut. Voilà, rien, on il fait a pas ça sur les deux derniers stocks et on est bon. Ça s'appelle assez patient pour ne pas prendre le reflex. C'est ça. Vraiment l'attendre qu'il n'ait plus le choix. Oh là là, le encore une zone rouge. Vache. Alors, il va falloir qu'il se calme sur les zones rouges. Et là, ce qui est très au point parce que... Chaque fois qu'il est en zone rouge, il le punit. Ouais. Et Céleste qui a un Fox qui beaucoup sur le stage. Peut-être en l'air, tu vois, certes, mais il ira jamais chercher à l'extérieur. On l'a pas encore vu chercher à l'extérieur. C'est difficile avec Fox, Dash Guard, parce que après, s'il se rate, il est vraiment en danger. Et surtout que. Lucas, il a deux spikes. Donc, C'est ça. Et un autre truc, c'est que Fox est aussi très fort en ledge trap. Notamment avec son backer qui est safe. Et je pense qu'il veut plus s'appuyer sur ça que sur le jeu. Orlin qui me fait mentir, je voulais un match serré. Là, le PK Fire bien trouvé de la part d'Orlin. Et on rebourre les PK Fire. Oh, et hop, le petit glaçon. Ah, on a été. Ah, dommage. Peut-être qu'un autre B a été plus. Sans le saut, ça passait. Sans le saut, ça passait. Ça, c'est moi qui l'ai matrixé. C'est quand même la stock. Il peut encore le faire. Ça a été chaud, mais. Alors, attention, faire attention à la passe de ledge trap. Oh, attention à la passe de. À pas se tuer lui-même. On commence à avoir des setups de fou. Probablement. Je pense que c'est du full info. Hein. Il le dira après. Je pense qu'il sait même pas ce qu'il a fait. Non, il sait tout. Ah, le smash. L'air d'Edge qui a pas fini sur le board, je pense qu'il voulait accrocher l'Edge, il a tombé dessus. Et finalement un match serré. Exactement, comme à la première game, il a commencé un peu en retard. En fait, Orlin, il faudrait qu'il joue tous ses matchs à une stock 100%. Et là, il jouerait trop bien. C'est dans le pur cul. On va rester sur la même map. Là, on reconnaît Orlin, là, il met des musiques de merde. Oh putain. Vous êtes tous les deux, vous méritez même pas votre victoire. Non, tu décues. Tu décues. Élimination. Élimination, mauvais goût. J'ai oublié de mettre le 2-0. 2-0 pour Céleste. 2-0 pour Céleste. On va voir si. Est-ce qu'il va tenter un reverse ou il va juste prendre une game et faire même pas loin, je pense que. Peut trouver des solutions et prendre les games. On va voir s'il arrive à faire un meilleur départ sur les deux premières games. Il y a Orlin qui se fait jongler. Hein. Combo là, il faut pas chercher à se mettre au-dessus de son adversaire. Hein. Il faut tout de suite essayer de regagner le bord. Casse faire les chemins. Oh là là, attention, le cross match. La game qui commence un peu de manière similaire aux deux précédentes. Orlin, il sait pas comment c'est une game en gagnant. Ça c'est bien trouvé. C'est bien trouvé. Et hop, le PK Fire. Et là, on va mettre. Oui. Oh, c'est dommage, c'était si bien trouvé. Si ça touchait, je pense que c'était un plafond. C'était pas la mort. Tu penses Ah, c'est Fox, mais je pense que c'était pas la mort. C'est pas si puissant. Ouais, mais il est très léger, Fox. Ouais. Probablement pas. Mais là, Orlin qui est en train de reprendre du poil de la bête. Et clairement. Hop, le nerf. Inkate Heaven pour l'instant, il commence mieux. Hop, ça clanque un peu. Bon, le smash qui va bientôt arriver de la part de Fox.
Ouais, faire attention à surtout ces backers. Le nerf. Et là, on met la pression. Oh, je vais avoir en essayant de l'empêcher d'atterrir. Je pensais un petit upper du côté d'Orline, mais là, on va prendre directement avec le forwarder et on met les compteurs à zéro. Il revient tout de suite, il se fait pas gratter. Hop, le petit backer instantanément. Et là, on reprend avec le jab. Le jab de Fox qui est plutôt efficace. Je sais pas si c'était le meilleur choix parce qu'on a vu qu'il s'est fait toucher. Pourtant, il a quand même pu frapper derrière, donc c'était pas safe pour nous. Oui, oui, c'est sûr. On a peut-être dû chercher un coup plus safe. Faire un combo starter. Ouais, mais il aime bien faire en sorte que Fox il sorte de la première option. Bien. Ne pas le laisser choisir l'option, tu vois. D'accord. C'est vrai que mettre... Orline qui tech bien. Ouais, hein. Là, il se fait pas avoir pour les là, drop-down. Se... Hein. Il se fait moins avoir. Et là, une zone rouge qui n'est pas punie. Oh, c'est dommage. Le B qui était bien trouvé de la part d'Orline, mais... Et du coup, Céleste qui était réactif sur le shield. Ah, là, et là, le forward smash. Air dodge. Il l'a promené. Il l'a pris par la main. Il dit, viens, on va au bord du stage. Je te mets un smash. Il va falloir qu'Orline prenne le kill rapidement. Et là, sinon, le mental, il prend. Le mental, il prend. Allez, Orline. Oui, on le plante, on le dégage. Oh, oh dommage. Oh, oh oui. C'est oh oui, le piège. C'est l'échec et mat. Ah, oui. L'échec et mat, il a forcé à sortir. Oh, ah, c'est dommage. Orline, encore une fois. Monde de les... forward smash. Quasiment les trois games qui finissent sur le même kill move. Oui. C'est triste. Que Orline avait bien joué, commencé à s'adapter. Et là, il a fait des les zones rouges. Les zones rouges l'ont tué. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il avait les solutions et s'est fait avoir sur quelques détails. Alors, mais c'est une question serré. De notre ami Uya qui te dit cette compte contre Céleste est à 2-0, enfin 2-1. Non, en tout cas en tournoi, je ne l'ai jamais battu. Ah. Je l'ai affronté qu'une fois, il me semble. Ça fait 1-0 pour Céleste en cette compte, il me semble. Ah oui, du coup, oui, Orline qui était en win, c'est vrai que c'était un match de winner. Actualiser un peu le chalon. Et oui, du coup, Orline 15, c'est un classique. Classico. AGG, on connaît. Orline 15, c'est un classico. Ah, c'est un classique. Et à chaque fois, 15 fait le choix de jouer un personnage de brun. Il gagne ou il gagne pas avec ce personnage. Je vais aller faire mon match. Bon, bah, je te laisse commenter. Force à toi. Ah, Céleste, il peut peut-être peut caster avec moi. Ah, ça fait non. Ah, monsieur. Avec moi. Bah, j'ai rien contre, mais est-ce que vous avez pas intérêt à la régie? Jamais fait, mais. C'est pas, mais j'ai vu c'était donc. La vitesse que ça a été, je pense que c'est 3-0, mais... Peut-être laisser ma place à Céleste pour celle-là. C'est comme t'as envie, mon ami. Merci. Ça, ça prend, les gars. De place. Ah bon. Il a appuyé sur le bouton A, il a appuyé sur le bouton B. C'est même pas les boutons. Pour rouge les gars. En dehors de l'écran. On peut peut-être faire un point bracket. On peut faire un point bracket, effectivement. Voilà. Le point bracket. Alors, ça nous dit que. Qu'il n'est pas à jour. On va à jour. On a du guide de merde. Ah, ça y est. Ouais, Guy de Merlin, ça passera en off stream. En ligne, c'est ça? Ouais, c'est pour les Orline et Chamonix, c'est ça. Bah, rien pour ça, je sais pas s'il mérite de gagner. Ah non, mais il mérite de perdre tous les jours. Tous les jours, il mérite. Être la. Pronostic? Bah pronostic matchs. Non mais préférence je dirais 15 direct. Hein. Et 15. Alors, mais bon, un jour. Alors,
C'est qui est à droite, c'est Orline, et à gauche c'est Monsieur 15. Allez-y les gars, c'est good. On va mettre le match tant qu'à faire, c'est mieux. Ce n'est pas demi-winner, c'est... On a du bon contre Lucas. Après, en vrai, je pense qu'Orline, il a plutôt l'avantage en général, ensemble. Ouais, c'est, ils se connaissent bien et c'est plutôt Orline qui a l'avantage. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, ah. Contre 15, j'ai affronté que son dieu. Ouais. Mais okay. Pas trop ses autres personnages, mais j'ai... Watch up. Pour lui, s'il a pas changé. Ah, son vrai main, c'est lui. Bien la banane. Arrive bien à coincer son adversaire belge. C'est leur place effectivement. C'est pas la poubelle. La poubelle, les mouvements, c'est pareil. Ah, pour l'instant, Link a vraiment du mal sur les phases de ledge trap à cause de la banane notamment. Ah si, derrière toi. Tion. Ouais, 15, il est chaud, je sais plus. Il a perdu. Il a battu. Il a du 4 contre Guido, non? Pas Guido. Un peu de merde, non? D'accord. Ouais. Ah, et on va pourrait retrouver. S'il gagne et que Merlan gagne son match, il pourrait se retrouver en demi-loser. En revanche. Ah, mais chez Equilibris, ils ont chacun pris le kill l'un derrière l'autre. Personne n'a pris un clair avantage. Par contre, je me suis pas trompé dans mes dans mon site. C'était Crinière, Céleste, Orline. Ah, pour le top 4. Oh, ouais, encore être bon. Là, vu comment ça se passe, j'aurais pu peut-être Bernard et 15, mais on va voir. Après, un BO5, c'est. Face à l'adaptation, s'ils se connaissent bien. Certains. Legit souvent les résultats en vélo. Oui. Oh, attention, le setup qui a failli passer avec le B. Il y en a pas mal tenté, il y en a aucun qui est passé pour le moment, même sur le match précédent. Il y a quand même des chances qu'à un moment ça passe. N'arrivent pas à clairement garder leur avantage. Ils arrivent facilement à sortir du ledge trap de l'autre, c'était moins le cas au début. Ken nous dit que Guido gagnera son match. J'allais le faire. Laura Fenica a donné son but. Ouais, mais non, elle a l'air d'être chaud quand même aujourd'hui. Mais non, c'est pas, je sais plus. Son mi-brawler, elle est quand même pas mal. Hein. Elle a pas du contre Céleste, ouais, bon, ouais. Elle est fat. Il a tenté Little Mac en deux derniers matchs, mais ah ouais, ça a pas du tout. C'est pas une mauvaise idée sur le point. La théorie était intéressante. Mais oh non, dommage, il a fait le B, c'était très bien fait, mais il a pas réussi à accrocher le ledge. Comme un sac. On dirait. Ah, prendre les coups. Et. Ah, le smash était un peu rapide quand même. Ah, Orlin qui arrive à bien servir de ses piquets fire pour sortir du ledge trap à chaque fois. Faire attention, ou 15 va le comprendre. Là, il est à kill pour. Encore bien, il rate, hein. Attention, il retombe pile sur la banane, encore une zone rouge comme sur le match d'avant, faut vraiment faire attention à ça. Quand on est en last stock, lasty. Ouais, ce qui est quand même pas mal là. Il va pouvoir. Contre oh, c'est match. Bien joué la banane en l'air qui retombe pile au moment où il vient de chercher. Ah, et le up smash. Il tue le 15, mais oui, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, j'ai dit qu'Orline était rincé depuis que je l'ai chamonné. Et ça fait combien de temps entre la naissance ou c'est autre chose. Ah.
Enfin, il est très fort, mais je pense que c'est un de ces gens qui n'a pas l'œil du tigre, tu vois. Il n'a pas assez soif de sang. Ouais, est-ce qu'il aurait pas du. Quand il n'arrive pas à prendre l'avantage. Ouais. Je pourrais pas dire, je. Pas vu souvent jouer, je l'ai affronté. Pas dire. Je l'avais. Je connaissais pas le match. Le match, c'est un peu le filtre quand même. Je peux pas me vanter de ça. Quel démagogue. Très bien, très bien. Il ne connaissait pas le match. Il a pris 3-0, on a compris. Allez, c'est manche, 1-0 pour 15. Aujourd'hui, 4. En ligne, qui pourrait essayer au début des games d'aller chercher Didi au moment où il fait sa banane. Je crois qu'il le fait à chaque fois. Et en ligne a tendance à reculer plutôt que. Pas déjà. C'est bien tenté, mais peut-être un peu trop tôt parce que. Je sais pas si c'est capable. Ma banane. Il arrive bien à jouer avec sa banane, mais ça pas beaucoup prendre et il arrive à aller la chercher sans. Oh, c'est bon. Ouverture avec le cœur. Banane encore une fois, cette fois il l'a empêché d'aller la chercher. Il est en edge trap. Il prend edge trap maintenant. Bon, lui, il commence à arriver à jouer avec la banane. Hein. Ah ouais, il commence à s'adapter, ouais. Parce que ça va donner si quelqu'un arrive à trouver. Il n'a pas la banane. C'était risqué. C'était très risqué. C'est ce qui s'est passé en attendant. Il a voulu edge guard au B, mais s'il le rate, il est en danger. On va faire attention à ça. Pas trop vite. Je pense que 15 a compris maintenant. Oh, la banane. Il est pas mal. Ah, c'est le karma du commentateur. Exactement. T'as pas le droit d'avoir raison. Oh. Belle phase de Rolling qui a réussi à trouver la sortie du match trap. Oh, c'est Rolling qui est bien revenu là dans la partie. Oh, smash côté 15 parce que on a trouvé des ouvertures. Je pense qu'il peut facilement remonter les pourcents. En ligne avec. Parti. Commit beaucoup quand même. Hein. Il a utilisé beaucoup de moves du bad. Ah, oh, il a réussi à l'attraper, la belle ride. Allez là, 15, il faut qu'il prenne la stock là rapidement. Et. Oh le smash. Je crois qu'il tente beaucoup de read. Hein. Hey, il joue plus en read qu'en réaction pour le moment. 40% du côté d'Orline. Pas les soucis pour l'instant. Hey, ah, allez, encore voilà, une belle read. Et là, là maintenant, qualité, à l'air stock de ce côté. Voir qui. Utilité, hein, il attend vraiment l'atterrissage pour pouvoir lui lancer. Stage là. Toc. Oh, belle passe trouvée. Bonne. Le backer, tous deux pair. Oh, ça c'est dangereux. Ah, pas risqué comme tout à l'heure. Oui. Parce qu'il sait exactement où va aller Orline parce que les matchs sont toujours bien placés. Attention. Chercher. Ah, la zone rouge encore, il a eu chaud. Remonter, bouclier. À 15. Orline qui a été combo. Obligé de laisser le contrôle du stage. Et 15 qui a l'avantage là. 30%. Et oui. Du côté d'Orline. Une tentative de ride encore une fois. Ah. Hey, hey, la champagne. Ah, oui, ça tue. Je pense qu'il y avait moyen de s'en sortir. La DI avait été faite.
Là, c'est le 2-0. Néanmoins. Je vais qu'on a compris, comme Paris, enfin, comme Monaco face à Paris. Ça fait pas bon être un supporter parisien actuellement. Comme, c'est comme être un supporter d'Orly, tu vois. Détruit ta carrière. Perdition, la dame. Alcool, les Chamonix. Par contre, 3-0. Ou 15. C'est où que tu vois? Ah. Et il n'est pas, pas à jour. Il n'est pas à jour. Après, sur, sur des petits rankings comme. Les mecs qui viennent dans leur spot et tout, ils vont afficher. Reparti sur le Bastion. En ligne, s'il a compris que 15 faisait surtout des reads, il a vraiment moyen d'exploiter ça et la game a son avantage. Si tu vois l'intérêt des streams, c'est pour que les gens puissent revoir leur VOD par la suite. C'est ce que j'ai fait, effectivement, et pas regarder. Ça, c'est pour ça que c'est intéressant, tu vois. Bon, après, le pas bien d'avoir des commentateurs, des et puis de pouvoir échanger avec eux, mais bon. Et, c'est plus pour les tournois à créer. Voilà, c'est ça, c'est ça. Dans l'optique d'avoir une propre. D'ailleurs, je l'avais utilisé pour prendre. Yes. Non. Le néerlandais de Smash. D'accord. T'as utilisé la VOD de Face, ça Du ranking. Ah ouais. De Rist. Top. Final. T'as analysé un peu le match et tout. Attends, tu parles du tournoi à Craig? Non, du tout ici. Paris avec Christ. What, ah oui, d'accord, oui, ça y est, ouais, excuse-moi, ouais. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Oh, ok. Ouais. C'est la grande finale entre le bouton, ouais. C'est ça. D'autres, mais je voulais voir celle-là, parce que... 3-0. Non, bah parce qu'en fait, il me dit, c'est laquelle game où t'as perdu? T'as perdu, mais... Et j'étais, il avait largement l'avantage, tu as gagné un petit peu de taille. Vraiment, je me suis. En ligne, il y a une bonne stock d'avance. Ouais. Sur la première stock, on a vu qu'il avait pris grâce à son hobby en edge guard. Il a réussi à envoyer assez loin. Il va falloir qu'il a bien gratté déjà, 109%. Oh, il prend le kill sur le forward air. Casque est pas bien là sur. Il a compris quelque chose, Orlin. Hein. Ça se voit. Ah. Ah, la conversion qui est pas bonne, il aurait pu le tuer là-dessus. Hey. Ah, il le prend sur le side B. Side B qui est très fort, ce qui permet de faire à la fois command grab et à la fois un coup. Ça force un set play à ce moment-là. H. Al. Oh, c'est une belle patience de 15 qui a attendu de voir ce que veut son adversaire en se matcher. En ligne qui se fait gratter, il va falloir faire attention. Il n'est pas encore gagné. Oh, à l'abri d'une remontée. Exactement. Attention au chiffre de 15 qui est vraiment bas. Oh, oh. Et c'était chaud, s'il s'était pas accroché directement là, il ne pas qu'il aurait pu revenir à tout. Rien qui est bien utilisé. Encore une fois, la ride de jump. Smash. What? Alors, Link, il va falloir finir parce que sinon, il va gratter, ça va être compliqué. Bon. Oh là là, c'est bien trouvé ça, hein. Sortir du H-trap. Ah, il m'a tué quand même. Il a trouvé le kill. Oh, Link est toujours vivant dans ce match. C'était pas facile. Mais il a fini par tuer son adversaire. Et Yuya, tu as malheureusement eu tort dans ton oraclitude. Car c'est Merman qui a battu 10 points. Aïe aïe aïe.
Exactement, donc tu as effectivement eu raison car c'est Guy 2 qui a battu Merlin 3. Voilà. Mec, il est tort. Non, non, je pensais que c'était Merlin qui parlait à HBK en disant j'ai gagné 3, je pensais. Regardez. Solide sur les appuis, hein. Solide sur sa ligne. Donc je suis toujours bon sur mon CD. Est-ce que Orlin a. Va me donner tort. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il peut encore faire le reverse 3-0. Parti sur Small Battlefield. Je sais pas si une manière d'utiliser la plateforme à son avantage. Il s'entend pas trop mal sur Holo Bastion. Oh, en ligne qui malmène son adversaire. Oui, ah le guard, attention, belle tech. Oh là là, attention. Pas la banane. Oh. Sortir du H-Track avec son side B. Attention, hein, c'est B qui en prend beaucoup en ligne. Faut faire attention. Ah, encore une fois, le Arid. Je savais qu'il allait venir en sautant. Ah, Upstro qui tue. 50%. Le side B tout. Le stage bien trouvé. Je pense que c'est trop. Ah, je pense qu'il s'est réveillé. Pas embêté pour prendre la banane. Encore une banane trouvée pour une combo, 50%. Le grab qui est mal spacé. Ah, et la banane smash. En ligne qui arrive pas à sortir du désavantage pour le moment. Yeah. Oh, c'est bien trouvé ça. Il a vu que son adversaire allait encore une fois faire son hop B sur le terrain. Ah, il up smash. Mauvais air dodge. Alors que Orlin recolle assez vite parce que dernière chance. Pour égaliser. Oh, et... ah non, ça tue pas. Bonne DI de 15. Oh! Pas café. Et. Orlin qui arrive pas à tuer. Oh, le nom de la mousse. La mousse. Je la. Après, pareil. Ah, c'est à peu près even, un léger avantage pour 15. Prends la banane encore une fois, Orlin. Oh là là. Timing qui sont un peu trop similaires. Il se fait beaucoup avoir par la banane et les side B. Une tentative de read. On arrive proche de kill pour 100 là. Hein. Faut pas faire attention. Pas de match, on rappelle. Top, là, qu'il a trouvé. Encore une fois, on va sur le stage. Cette fois, pas puni. La banane, pas puni. Il va faire attention parce que s'il la prend, il y a moyen qu'il meure là-dessus. Il a trouvé, elle est reposée en ledge trap. Encore une fois, une tentative de read sur le jump. Je pense qu'il n'est pas encore à 10%, mais en ligne, lui, faire attention. Trap qui est bien trouvé pour envoyer un avantage. Oh, là là. Oh, oh c'est dommage, il a paniqué, je pense qu'il aurait pu le tuer. Oh il a eu de la chance. Ah, Orlin qui revient bien là. Ah, un casque okay. Qui arrive pas à conclure là, c'est terrible. Orlin pareil, il avait les phases mais il a paniqué, il a pas exploité. Orlin qui a l'avantage maintenant. Ah, très serré ça encore. Ça rend les coups hein. Quand le smash vient derrière bientôt, effectivement, upper. 200%. Attention. Oh là là, attention. Ça l'arrache, c'est pas. Ah, il arrive à sortir du ledge trap grâce à ce piqué fire. Il va falloir faire attention parce qu'une banane et c'est la fin. Il a raté. Oui.
Aïe 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 aïe
la loser finale. Je sais pas si vous voulez la stream ou pas, ou ça fait. Bah, le problème c'est que. Non, ça c'est la nuit. La nuit loser. Ce qui fait chier, c'est que j'ai pas de commentateur pour la mémoire. Après, ça va être trop long si on fait. Ouais, c'est ok. 1, 2, 3, 4, 5 matchs en 2 ou 5. On va terminer à 8 heures. Okay. Ah, c'est ça. Donc. On aura. Ouais, bah, c'est vrai. Eh, t'as vu ça, Yuya? Je tiens à le dire. Hein. Mon seed, il est parfait. Les 4 que j'ai seedés sont top 4. Voilà. Seed de champion, mon gars. Voilà. Du coup, et ben, figurez-vous qu'on est bien embêté parce que tous les commentateurs vont jouer en même temps. Parfait. Qui peut aller chercher Guido, là? Je crois que... Mais il est dehors, attends, on a vu où il est, Guido. Où il est, Guido, attends. Au même endroit. Et là, s'il est où? Ouais, c'est là sur stream? Non, c'est pas. Toi, tu joues off stream, Guy. Ouais. Oh, Lino. Ah, bah, j'aurais bien fait des pauses, mais ça va être trop long après. Il est parti aux toilettes, hein, comme d'hab. Hein, Hey, on va acheter des chaises percées pour le setup miroir. Hein. Ça va plus vite. Hein. Toujours hippie ces mecs. Avant en passant, c'est que le stream. Hein, ça leur fait un petit effet sur la vessie apparemment. Ah, je vois ça. Vous auriez pu aller pisser ensemble au pire. Sur la... On croise les légers, bien sûr. Oh là là. Ah ouais. C'est qui marque pour Paname? Ouais. C'est chaud. Du coup, putain, j'ai pas de commentateur. Je vais quand même pas vous faire l'affront de commenter une finale winner parce que c'est terrible. Quoi? Tu veux venir commenter? Ah, c'est la finale winner, on va la laisser jouer quand même. Ah oui. Ah, mais tous les commentateurs, ils jouent. Mais non, c'est pas commenté. C'est pas commenté par hasard. Hein? Tu veux pas essayer? Ah ouais, il y a vraiment personne. Ah, non, bah non, c'est pour ça que je veux pas, ça va être trop long sinon. Ah, Kambou il veut commenter par Discord. Kambou. Bon, allez, Negi 2, ils jouent, ils font leur finale, enfin leur demi-finale loser off stream. Ouais, sinon, c'est Kambou. Parce que sinon, ça va être trop long. Si on fait tous les matchs en stream, là, ça va à 8 heures, on n'a pas fini quoi. Donc, quoi. Fong, il dit Kambou, c'est le prompteur. Tu m'écris les messages. Yuya et Kambou, vous m'écrivez les messages et puis moi je les dis. Quelle surprise, hein, j'ai envie de te dire. Il avait fait un tweet sur. Sur ça, il m'a fait trop rire. C'était. Il mettait une photo, il mettait les traces du freinage de la voiture de Pierre Palmade avant l'accident et tu vois deux gros rails de coke. Tu... les bâtards. ouais, bah c'est ça, c'est terrible par contre. Hein. En plus, le pire, c'est qu'on parle que de ce connard, et genre, peut-être avec son gosse et tout. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Désolé s'il y a des fans de Pierre Palma de, dans la tendance. Donc, 15, viens commenter là. Et nous raconter, viens nous ton ressenti sur le. J'ai chaud. Ah, oh, tout le temps il fume les gens, c'est terrible. C'est terrible. Ouais, j'essaie la drogue, j'essaie. Donc, tac, tac, tac. T'es prêt?
Oh, vous êtes prêts? Bah, vous êtes prêts? Non, vous êtes pas prêts là, c'est. Vous êtes pas du boss stage encore. Là, je sers à votre position. Pour le champ de bataille. Toi, tu es J1. Sacrinia. Champion de Gamers Garden en remplacement de lui. Hein. Le champion remplaçant. Le champion remplaçant. Au Céleste. C'est bon les frérots, vous pouvez y aller. Et donc la final winner. Je n'ai pas marqué que c'était la final winner. Sur moi. Pour être remplaçant, techniquement, faut être présent, tu vois. Mais vu qu'il est. Vu qu'il est absent, il n'est pas remplaçant. Il est juste absent. Et ouais, bah c'est. Génial le champion, je pense. Présent. Après, en vrai, Kenyar, il est fort, hein, parce que c'est pas non plus. Hein, c'est parce que, après, bon, c'est un family man, tu vois. Et... il a pas le temps non plus, mais. Bon, ça serait. C'est un top player français, j'en suis sûr. Il a choisi son chemin, il a choisi sa voix, tu vois. Et c'est donc que pour l'instant Céleste hein, qui a une bonne avance. Hein, c'est... Enfin, qu'est-ce que je raconte tout ça. C'est bien sûr Prignard qui est en avance. La meilleure commentateur de l'e-sport français. Et la petite chop là qui a été prise près du ledge, voilà, c'est Céleste là qui met la pression, qui ne laisse pas remonter Crignard, Crignard qui chute. Il chute, elle est une feuille morte. Et ça nous fait donc une stock de perdu pour notre ami Crignard qui est vite fait récupérer. Voilà, on revient à égalité quasiment. Bon, je pense qu'on va avoir le droit à une finale quand même relativement serrée. Hein. Malgré tout, hein, malgré tout, là j'ai une Crignard, Céleste, c'est pas... pas le premier venu non plus hein, on va dire les termes. Ok, au bout tu veux pas qu'on parle de LOL stalker là, donc moi ta top lane tout ça stalker favori. Ah ouais, ça va très très vite en attendant hein. c'est comment dire, c'est Crignard qui a encore perdu une stock là, qui est déjà à une stock de la défaite, et Céleste donc qui mène le bal pour l'instant. Il a pas encore battu Céleste le Crignard. Non, la semaine dernière il n'est pas tombé dessus, ça m'étonne. La semaine dernière enfin au dernier ranking en tout cas, c'est Crignard et son pote qui ont donné l'heure hein. Le mec ils sont mieux à deux là, ils ont montré, ils ont expliqué la vie aux gens hein. Quand même. Ah ouais, dommage, ouais, du coup, Yua, tu l'as pas vu son pote, mais apparemment, il était pas mauvais. Ouais. C'est Monsieur Rist, mon pseudo. Et donc, nous sommes à une stock de chaque côté, avec un léger avantage pour Céleste. Céleste, pour l'instant, ouais, non, pour ce... Ça se... Pas vraiment d'avantage d'un côté ou de l'autre, ça se rend coup pour coup. Ah oui, t'étais là, Charo. Bah oui, je suis bête. Bah oui, c'est vrai que t'étais en spec. Ouais, excuse-moi. Mes neurones, tu sais. Mes neurones se font rares. Ah ouais, désolé. Oh. Eh, même lui, ce qu'il participe. Eh, Céleste qui prend la première game. Bien joué à lui. Après, si je vais être bon dans mon site jusqu'au bout, j'ai fait site 1 Crignard hein, donc et dans l'ordre mon site c'est Crignard Céleste Orlin et Guideux, donc on va voir pronostic et entre guillemets valable. Joueur qui sélectionne le meilleur stage avec la meilleure musique, si je dis pas de bêtises. Match,
Et t'en as pensé quoi de son poteau alors, Yuya? Il a pas l'air d'être mauvais, non? Après, tu vas me dire, tu mets 3-0 à Krignard et Krignard met 3-0 à son pote, donc. On suit les statistiques, ça peut être trop bon. Et on est reparti donc sur le Hollow Bastion. C'est tout de suite Céleste qui prend l'avantage, plus agressif. Et remonter assez rapidement. Ouais, bah je m'en doutais, hein. Par contre, on avait un Brice qui était inscrit, je sais plus qui c'est. Il est déjà venu, mais il y a tellement de gens qui viennent en fait que. Bah après, je sais plus. D'ailleurs, je sais même plus si j'ai mis le classement à jour de la dernière fois. Ah, si, je l'ai mis à jour, si. Ok. Ouais, après peut-être je sais plus quel perso il jouait, mais peut-être aussi les gens connaissaient pas trop le match-up, je sais pas, peut-être des explications comme ça. Fait l'inferno, ouais, effectivement. Ah, c'est assez exotique quand même, fait l'inferno, non? Si je dis pas de bêtises, on va pas à tous les coins de rue. Putain, j'ai fait peur à des chips. Jamais. Vas-y, remplis-moi le bocal, fond. Remplis-moi. Barbecue, s'il te plaît. Ouais. Tellement bien cet assaut, hein. Des chips, on va avoir la saveur qu'on veut et tout. C'est terrible. Ah, terrible, positivement terrible. En attendant, c'est Céleste donc, qui vient de perdre sa stock là, qui commence à se faire rattraper sur son avance. Mais bon, ça va quand même être compliqué pour Krignard là, avec 78%, il va remonter quand même, merci pour les chips. Et Krignard donc ouais, qui a repris, qui reprend la position en mid stage, qui se retrouve encore presque en corner, et là qui va mourir de suite. Bon, Céleste, c'est pas pour niaiser, hein. La fraude à slip. La fraude, elle est pas si fraudeuse que. Tiens. Tu vois, ça fait crunch crunch, hein, parce que j'ai mangé quelque chose pour ce magnifique match. Ah, vous appréciez autant que moi, en même plus. D'ailleurs les gars, je vous préviens, on va vous sortir on a pu avoir des dates en avance. Et vous allez bientôt avoir un petit calendrier pour les 2 mois à venir. Pour tout ce qui est ranking et on va créer. On pourrait peut-être mieux prévoir votre activité. Bah ouais, ben vous voulez toujours en faire un, mais tu sais, comme on avait des problèmes de réservation des salles à Creil, c'était toujours compliqué. Comme on se base toujours sur ce qui passe en priorité. Comme on n'avait pas les dates pour ça, bah après c'était compliqué de donner des dates précises pour les rankings. Au moins là on a les dates pour les 2 prochains à Cray, donc on peut intercaler 2 rankings entre deux.
Ferme intercalé d'ailleurs. Donc c'est cool. Bon, en gros, sans vous spoiler, hein, mais c'est les premiers week-ends de chaque mois, il y aura. Enfin, deux fois par mois, il y aura un tournoi à Cray. Et deux semaines après, il y aura un ranking. Peignard qui est proche de perdre sa première stock et il a pas envie de mourir pour l'instant. Là, ce toilette, j'ai son bouclier. Voilà, la chape qui m'a passé. Et se trouve dans le vide. Peignard qui a pas l'avantage positionnel. Prends la stock à Céleste. Céleste, il a plus qu'une seule stock. Est-ce que c'est le début de la remontada de Peignard, hein, peut-être? Donc il est. Il est dos au ledge. Un petit jeu de mots. Et une stock d'avance toujours pour Crignard. Il a l'air, ouais. Il a l'air d'être bien parti quand même dans cette game. Très bien parti même. Le Wolf là qui a du mal à remonter. Enfin, le Fox pardon. Ah, bien shieldé. Ça, c'est bien joué aussi. Donc ça, Céleste qui n'arrive pas à trouver l'ouverture. Bien qu'il joue assez proprement là avec son bouclier. C'est très bien joué de sa part, voilà. Franchement il fait une game assez propre là, Seigneur. Et voilà, ça tue. La logique. Pas envie de vous dire sur ce match. Je vous fais 2-1. Je crois que c'est plus certes. Voilà le choix du stage. La finale loser qui a la demi loser qui a été terminée. T'as donné quoi les gars? Orline 3-0 t'as pris? Sérieux? Non. Orline qui a pris 3-0 par Guy 2. Quel regret j'ai de l'avoir cité 3. Terrible. Terrible. Yeah. Duke s'est dépêché de faire son match pour venir commenter. Franchement, ça, c'est pas un crack. C'est ce que c'est. Et te revoilà, mon ami. De retour. Pour jouer un mauvais tour. Et j'ai envie de faire. Le bordel dans la tête de Crigny. Il y a parfois qu'il perd 2-1 et qu'il gagne gagner qui est sur une victoire. Là sur une victoire. Ok. Donc là balle de match pour Céleste. Ouais. Tibaki revient trouver de la part de Céleste. Forward air, on enchaîne. Hop, on a essayé de punir la remontée avec un smash avant. Le smash avant trouvé par Céleste. Et là on est un peu patient. On garde côté Céleste. On prend son temps. On essaie de pas punir bêtement. Je regarde les commentaires. Dans les deux cas. Donc ça va être dur. Ouais. Bah on verra, hein, on verra ce que ça donne. On est là pour essayer. Là, on commence à perdre un peu en dextérité avec le temps. Et en tout cas, c'est pas le cas de Céleste parce qu'il a fait un joli up smash. La Crignard qui commence à installer ses setups. Mettre son adversaire dans la sauce. L'empêcher de le toucher. Et pour l'instant, Crignard qui est en maîtrise totale de l'ultra instinct. Tu l'as bien roulé dessus, Orline. Hein? Tu l'as bien roulé dessus, Orline. Non, mais on se connaît, enfin... Vas-y, tu fais pas des magies.
Non, mais pas le on... oh, il connaît très bien le match-up et je le connais aussi, tu vois. Et bah, des fois, on se fait des petites sessions, tu vois. Et ouais, en fait, le truc, c'est que bah, les matchs sont longs. Et il sort d'un match contre 15 qui devait être quand même éprouvant. Ouais. Et ça se voit sur ses réflexes. Là, ça s'est pas terminé en last stock. C'était vraiment genre, moi je venais d'entamer ma dernière stock et je prends la game. En fait, je l'ai à l'usure. Je pense de manger des Chamonix, c'est super en réflexe. Ah ouais, bah peut-être. Ça le vieillit. Et c'est son objectif de toute une vie de me sortir. Comme moi, mon rêve c'est de sortir rire, tu vois. Et... bon bah là il est tombé avant. Ah, il m'a pas attendu. Ah il m'a pas attendu. Et en plus il a perdu contre 15 quoi. 15 il a fait sa... 15 il a bien joué hein. Et franchement il était vraiment très proche. Mais il a craqué, il a craqué. Ouais, ouais. 15 quand il a l'avantage il craque. Et en tout cas Krignard qui conserve bien son avance. La joie d'usure contre Krignard. Ouais c'est vrai. C'est vrai. Non mais c'est pas une mauvaise idée. C'est ce que je comptais faire, mais ça m'a mis tard pour que ça vienne. Quoi. Et le up smash de Krignard qui remonte, ouais. Et on aura le droit à un cinquième match. Tout à fait. Ouais, je vais avoir le mental, ouais. Solide. Ce qui va réussir à conserver son avance. Et moi, je suis à... n'importe quoi, c'était bien. Et du coup, là, ça veut dire que je suis top 3, là. Et t'es top 3. Voilà. Ah, là, finalement, je suis pas bon. Oh, je suis content. Très content, mais on va essayer de faire plus. Bien sûr. Avec mon perso de merde. Venez. Allez, on lance la dernière game. Les gladiateurs sont dans l'arène. Ils sont prêts à retirer leurs vêtements et se battre avec sensualité. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et là, Krignard, il est en mode full lecture du jeu, et là, il est bien lancé, hein, très bien lancé. Et peut-être Céleste, il commence à perdre un peu ses moyens. Là, le petit back air qui est tenté de la part de Krignard, mais en tout cas, il a essayé de claquer un joli 0 to death. Hein. Et là, Fox qui reprend un peu du poil du renard. Et hop, le forward smash. Tu préférais tomber contre qui, alors Je m'en fous, les deux, j'ai envie de les défendre. Ça, c'est la mentalité. Et je vais galérer dans tous les cas, mais en tout cas ça va donner des bons matchs et ça c'est beau. Et en plus ça sera en stream, donc si je me fais laver le cul, bah, je l'aurais mérité. Si tu veux faire premier, il faudra battre les deux. Bah ouais, c'est tous les cas. Et reverse Krignard, enfin reverse le gagnant de ce match. Et ça... on verra ce que ça donne. Hein. Va falloir bosser le mental, ne pas flancher. Non, le mental Krignard il l'a. Hein. Ah oui, bien sûr. Il est passé 2-0 donc à 2-2 et là il a quand même un avantage assez net qui commence à dessiner. Ouais. C'est sûr que arriver en finale quand tu viens de loser side. Ah ouais, faire ce game et là ce combo engrenage into Shuryu. Même si c'est pas un engrenage, c'est une scie, mais c'est pas grave. Moi je trouve que l'engrenage c'est le raccord avec Megaman. C'est vrai. Ouais. Long, tout ça, tu vois. Voilà. Et là, on a essayé de faire une mêlée du côté de Céleste. Et on a failli se mettre dans la sauce tout seul. Hein. Là, c'était très dangereux de faire ça. Ouais, Céleste, peut-être que là, on est sur un point où il commence à flancher. Ou peut-être que c'est juste Krignard qui a commencé à lire dans ses mouvements. Et en tout cas, ça n'empêche pas Céleste de prendre encore une stock avec ce up smash. Incroyable. Et on retourne sur un up smash côté Krignard. Le petit back air, on charge, on prend la scie, hop, on la pose, on essaie de mettre des petits uppers, on prend le grab, back throw, on prend l'engrenage, on empêche son adversaire de revenir, c'est Céleste qui passe par le bas, et là peut-être c'est le spike, et oui c'est le spike, bien ah, sûr bien, bien joué ça. Bien joué, jolie remontada de la part de Krignard. Très très belle. Ça sera donc Céleste qui va passer en finale loser. Regarde, Krignard qui n'ose même pas me regarder dans les yeux. il sait que tu approches. J'ai une aura. C'est ton aileron là qui dépasse. Ta, il arrive. Ok les bros, bah écoutez, bah, on peut bah, envoyer directement et, là. Façon, final loser. Hein. On sait très bien que mon objectif c'est de raffronter Krignard pour pouvoir lui faire un câlin à la fin. Que de l'amour, j'ai vu. Que de l'amour. Que de l'amour ici. Et du partage.
pas partager. Je vais partager mon amour du jeu. Voilà. Céleste, tu vas aller faire pipi. Let's go. Et alors voici le champion. A priori, Guy 2, c'est une ambiance de Genesis. J'éteins ma manette, mais... Oh, attraper une serviette rouge, s'il te plaît. Ben, je... Ouais, juste devant le... Ah oui, m'en fous, oui. Mais... Arrête, gamin. Je me mouche, hein. Je vais mettre le bracket et après je me mouche. Plein de microbes aujourd'hui qui sont présents au local, ça va être trop bien demain. On est en train de faire un gros cluster de bronchites. Alors, le J1 c'est Guy 2 et donc Céleste en joueur 2, c'est parfait, comme ça ça bouge pas. HBG, qu'est-ce que tu dirais de me prendre la main à la régie en plus. Guy 2. Voilà. Les infos sont mises, il n'y a plus qu'à switcher. Non, c'est déjà avant. Oui, ça, ça va être belle là. Allez. Allez. D'accord, voilà. Parfait. Pour 3-1 pour les infos. Merci. Il rééquipe des années 2000. On peut faire les duos. Les duos. Let's go. Oh. On va peut-être avoir le droit en Zelda Ike. Ah d'accord, pourquoi il joue comme ça? Il n'y avait pas qu'il y avait un mode comme ça sur le jeu. Ouais. La console peut-être. Céleste me disait que en général. En général, Guido n'aimait pas trop son Ike. Ouais. Rien qui part sur Ike. Le contrer. Sur Pokémon Stadium 2. Ça sera Fox. Ah, Fox. Ça sera Fox. Bien confiant sur ton runner. Qui trouve les premières ouvertures et qui suit pas atterrir. Et... parce que dans ce match-up, Lido doit pas pouvoir utiliser beaucoup les chevaliers avec de force. Stock. Bonne stock d'avance. Ça n'a pas réussi à mettre beaucoup de temps pour moi. C'est bien truqué de la part de Guy 2. Oh, beau chevalier qui contre la recovery de Fox. C'est à peu près à égalité. Dieu qui a trouvé la solution pour atterrir. Bon outil. Phase. Parole extérieure. Ah,
Ah, ah, dommage, c'était bonne, mais l'exécution un peu moins. Ouais, et le. Ouais, plusieurs options. Je pense que je suis allé pour la couvrir. Aïe aïe aïe. Air up smash trouvé par Céleste. Est-ce qu'il trouve les combos? C'est malmené, qui arrive pas à trouver ce moment. Tac. Oh, et le beau smash en couverture après le chevalier. Catch Céleste. Assez proche, un léger avantage pour Céleste. Donc il peut prendre un smash là-dessus. Ce sera pas le cas. Pas pour les dégâts. Faire très attention au Fable Fox et à lui la rôle. Je reste oublié. Servir de sa plateforme pour les approches aériennes. Bloquer sur les côtés. Mes combos trouvés par l'I2. Pas beaucoup de pourcents les celle-là. Est-ce qu'il répond par les siens? Pourcent. Dans la trap. Et puis encore une fois une zone rouge avec son power smash. C'était très dangereux, il aurait pu le tuer là-dessus. Est-ce qu'il tourne autour de son adversaire? Pour une phase de ledge trap, faut faire attention. Oh, le chevalier qui touche du bout de l'épée. Là on est dans la situation inverse. Avec beaucoup plus fort sur la phase de l'estrap que vite. Oh et c'est très bien joué, il a vu le reflect, il a grab pour pouvoir mettre le chevalier. Fox qui est un personnage très léger. Courir très vite. Beaucoup de dégâts, il va très vite, mais courir aussi très vite. Quand vite va devoir gratter un peu les pourcents. Très bien, sans prendre trop de route. Ah. La kerbe. Par CS contre par le qui ah ça c'est pas trouvé, il a pas voulu aller le chercher là haut pour pas se faire reverse. Une voie à égalité, je très bien trouvé de la part de CS. Ah. Une fois le ledge trap qui fait très mal à l'I2. Ah, puis c'est arrivé à en tirer profit. Oui, il a lu le jump avec son repère, il prend le kill, il prend l'avantage. Pardon, j'étais pas pu monter. Et là, on va voir par le donner à Obsma. Fox. Oh, c'est bien fini. Sol et Guido qui couvre les airs. Sage. Oh, et c'est bien joué. Touche son shield pour la punie de Dub B. Guido qui a bien répondu à son adversaire. Ah, Guido, j'ai un message de Yuya. Par pitié, arrête de te corner quand tu étais chevalier. Voyons. On a du coaching en direct.
un partout. Le game était assez serré. Donc il y a le skin Gamers Garden. Jeu qui tourne bien autour de son adversaire pour le moment. Il a réussi à sortir du ledge strap, il faut faire attention au shotgun maintenant. Ah, il arrive à verser la situation. Ah, la zone rouge, c'est bien trouvé. De Céleste, on va voir comment il en profite. Il a vu que son adversaire allait pas essayer d'atterrir à tout prix, au sol. Non, c'est Céleste qui est patient, qui attend l'erreur de son adversaire. Pas stop. Ah, bien, il pour Franck. Flash avant. Pas. Qui est mis d'aller chercher pour punir le stage, c'est très bien trouvé. Le forward qui arrive à prendre assez rapidement dans la game. Il a tenté cette plateforme là, mais ça n'a pas. Voir comment on sort plutôt bien. Pas pris de dégâts sur cette phase là. Retourne. Enfin, ça se passe un peu moins bien. Deux qui a kill pour 100. On va faire attention. Voilà, erreur. Il va être B. Le kill qui atterrit sur le qui se fait faire pour ça, attention, parfois tu me. Attends, encore une fois pour le forcer à revenir par le haut. Cette game va falloir qu'il trouve rapidement. On le sur encore une fois sur le stage, mais cette fois ça va fonctionner. Pas le kill tout. Pas d'achat. On va faire attention que 2% et voilà, il se fait. Alors. Deux 1 pour Céleste. Voir si 2 a le mental pour revenir dans 7. La dame qui fait un coaching mental à Guy 2, on va voir si ça a fonctionné. On va voir s'il est prêt à tuer son adversaire. On va voir s'il veut du sang. C'est reparti. Qui est possiblement la dernière game pour Guy 2. Arrive à renverser la situation. Oh, c'est pas une première. Potentiellement. C'est là ce qu'il trouve la première phase. Ah, les deux qui fait un petit aller un tout petit peu trop loin. Pas si le choix de la map est meilleur, ça permet quand même à Fox de bouger rapidement. Peut-être exploiter sur les toggles. À voir s'il y arrive ou pas. Ah, le. J'ai raté cette image, j'ai hors du stage. Ah, l'erreur! Elle atterrit sur le stage au lieu d'accrocher elle. Oh, le spike qui est passé. Ça ne tue pas. Ah, il a plus de niche et tout. On le B. Celle du 2.
47. Oh. Oh là là. On va gratter 2 pour revenir dans le match. C'est là ce qui se laisse pas faire. Hein. Il bloque vraiment toutes les combos de 2. Allez, encore une fois, bien trouvé. Oh, ça me suit pas. Il trouve encore une fois la tenue. Club B. Spike. Block. Box. Oh, le chevalier. A pas touché, dommage. J'ai bien tenté de la part de Didier, mais là, on a touché punissable. Laisse pas passer ça. Aïe, il va falloir trouver rapidement. Ça va être très compliqué. Oh, et c'est bien trouvé. Interaction un peu étrange. Premier coup à Clank avec le coup de Fox. Attention à ses retours sur le stage directement. Variation. Job. Prendre. Ah, le smash un peu onctueux. J'aurais pas tué. Ok. Trop tard. Oh. Est-ce que ça tue? Oui. Belle remontée de Guy 2 qui trouve un B pour clutch la game. En river 2-2, 3-2. Possible. 2 qui a reçu le coaching de Dame Dame. L'air d'avoir fonctionné, l'œil du tigre. Lui Damien. Bon. Je veux du sang. Je suis assez d'accord avec Yuya dans le chat. Création finale, je suis pas sûr. Pas à l'avantage de Fox quand même. Parce que du coup, il est obligé d'atterrir et Fox, c'est bon pour finir les atterrissages. Parti pour la cinquième game. Ouais. Arthur là qui prend un léger avantage. On va prendre les combos de Fox. Il s'en sort bien. Match. Je vais venir. Si on a fait ça, je vais le B. Là, est-ce qu'il a compris? On voit qu'il l'attend. Encore un smash, cette fois c'est puni. Ça aussi, les backers ne sont pas punissables par un grab. Il a pris la feinte. Reste a fait mine de venir et finalement il a attendu l'erreur de son adversaire. Ouverture. Vu qu'il maintenant se fait avoir, Céleste bouge pas du sol, il a compris. Essayer d'atterrir comme ça. Encore une fois, une combo. Ça s'annonce compliqué cette game. Il a déjà une bonne stock de retard. Ah, encore une fois, l'erreur punie par un smash. Céleste a compris qu'il faut qu'il attende l'erreur de son adversaire. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Par quand même un petit miracle pour que Guido arrive à revenir. Encore une fois, il prend une combo. 65%, 70%. Lance de plus en plus difficile. On peut se mâcher avant qu'il tue. Pour espérer finir dans la game. Bon. Flash attaque. Oh, le chevalier qui est bien trouvé après ce coup. Oh, le spike qui est très bien trouvé, c'est pas fini. Il est certes à 1000%, mais c'est la stock aussi pour Fox. C'est pas fini.
Le frame trap. Il pouvait pas s'en sortir, il esquive le upper, mais derrière le smash, il pouvait plus esquiver. Bien joué à Céleste. À une prochaine fois. Je vais vous laisser en compagnie de, je pense, Guy 2. Et je vais aller jouer la finale. C'est pas, il y a aucun moment où voilà, discuter de la game, à aucun moment je ne me suis revenu. Bah, là j'ai perdu contre Céleste. Là c'est la finale. Là. Ouais bah ouais limite. On discute du match en stream, de temps que Cunard il soit. Le mec qui sait pas où il est. Ben moi c'est juste que j'ai subi et à chaque fois que j'essayais de te toucher, ben j'essayais de mettre un combo derrière pour concrétiser. Et à chaque fois j'étais en mode bon, je croisais les doigts pour que tu tapes dans mon shield, ça arrive jamais. Ah non parce que je t'ai pas. C'est ça. C'est En fait là c'est vraiment juste. Il vient de me taper. Ouais. Mais ouais, à chaque fois j'essayais de trouver les bonnes punishes. À la fin, j'ai commencé à être un peu à l'extérieur pour punir les remontées. Ouais, parce que bon, le chevalier c'est pas là. Hein ouais. Ouais. C'était pas la meilleure option. Une fois ton chevalier, j'ai vu. Okay. Ah bah non, là franchement c'était le truc le plus. Genre j'ai vu ça, je dis mais c'est un kill gratuit en fait. Oui. Et c'est ça. Après ouais, tes backers tu les posais bien. Je pouvais pas te punir out of shield. À chaque fois je me prenais tous tes combos à 20%, je montais jusqu'à 70 et après j'étais en mode bon ben si je touche il faut que ça concrétise derrière et je crois que je t'ai retrouvé rarement au dessus de 100, peut-être au dessus de 100% aussi quand même, pas souvent. Oui j'essayais de tuer avant. C'est, ouais bah ouais, c'est ça, c'est et après ouais Fox j'ai vu quoi. Puis, ok je subis 70% certes. Mais en trois coups, je peux te prendre la stock. J'ai essayé de jouer avec le chevalier. J'ai peut-être un peu trop joué avec le chevalier vu ta vitesse. Bah voilà, on en est là hein, quand même. À chaque fois, j'avais pas trop le temps de se construire. Et surtout que t'es vif. Donc à la fin, en fait, j'étais en mode bon, je suis en état. Je ne suis aucunement dans ta tête. Je ne suis juste là pour survivre. Et un jour, je te mettrai un coup. Et ce moment-là, et ben, il s'en souviendra. Et voilà, c'est ça, c'est genre t'étais en full avantage pendant tout le match, hein. Moi j'ai fait que subir. Ça te va, moi c'est juste que c'est frustrant de mon côté. Après ouais, j'aurais dû être plus patient, mais plus patient c'est, enfin tu bourres, c'est normal, tu vois, tu fais la pression avec Zelda. Ouais. Ah, excuse-moi. Ah le but, un peu vache. Essaye. Ouais bah oui, bah écoute, bonne finale à vous hein, les gars.
Bon ben, nos joueurs sont en train de se préparer pour la grand finale. Donc pour rappel, on a Céleste qui vient du Looperside, qui a déjà perdu contre Crignard. Et du coup, bah, Céleste qui vient de remonter dans l'arbre en faisant une victoire contre moi-même. Ouais, ouais, c'est vrai que Yulia, t'as raison, je voulais. C'est pour ça qu'au bout d'un moment j'avais choisi destination finale. Pour éviter de me taper en fait sur cette situation où il y avait les plateformes et à chaque fois les backers qui étaient affreux. Et sur destination finale, je crois que j'avais gagné du coup. Oui. J'avais le seum, moi. Ouais. c'était dur. Et en fait je me suis dit, putain, le nombre de fois où tu utilises ton side B pour revenir, je dis à chaque fois je peux pas te punir. Parce que, en fait, à chaque fois, tu le timais bien pour revenir sur la plateforme. Et je me suis dit, ok, le moment que je dois viser, c'est une dash attaque à ta retombée. Et c'est pour ça que j'étais en mode setup chevalier de base. Et derrière, je te mettais la dash attaque et ton personnage est suffisamment léger pour que je puisse prendre le kill là-dessus. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que je mettais le chevalier pour qu'il revienne avec un side B au-dessus du stage. Et mon raisonnement, oui, je vois ton raisonnement, mais ouais, c'est... Et ouais, j'ai trop corner avec le chevalier, effectivement. Là. Oh, ben, du coup, tout est lancé. HBK, il s'occupe de tout, donc vous pouvez lancer quand vous voulez. Et bon bah je pense que le match-up n'était pas pour moi, mais je vais pas me cacher derrière le match-up, je joue qu'un seul perso, c'est bien pour une raison. Et que je veux faire des perfs avec le perso. Et donc là on lance la finale, donc Megaman contre Fox. Donc un match qui a déjà eu lieu dans le winner side. C'est fini sur je ne sais plus le score, je n'étais point là. Mais une victoire de Crignard dans tous les cas. Et donc là on est là-dessus. Donc Crignard qui va essayer de mettre des limons et hop il va tout de suite essayer de bloquer son adversaire, créer une sorte de cercle vicieux où s'il passe bah, il va se prendre une sauce quoi. Et là le petit backer bien trouvé de la part de Crignard. Hop, on met le shield leaf pour bloquer un peu les assauts de Fox. Et mon dieu que c'est dur de bloquer les assauts de Fox. Oh, je vous le dis, c'est la mort. Et pour l'instant, Crignard arrive à se débattre dans ses combos starter fous. Et moi, je sais pas comment en sortir, hein, perso. Mais l'avantage de Crignard, c'est que Megaman est un personnage assez lourd, donc il est peut-être plus facile pour lui de sortir de ses combos à bas pourcent. Crignard qui a tenté un Shoryoken, malheureusement, c'est raté. Hop, on met le forward smash du côté de Crignard, mais Fox prend le bord. Et là, on est un peu patient du côté de Crignard, on prend le temps pour remonter. Le forward smash qui est malheureusement passé sous les frames. Hop, le petit backer, malheureusement ça clanque avec le neutral air de Fox. Et là on prend le up smash et Crignard pour l'instant qui fait un sans faute avec ses trois stocks face à la seule stock de Fox. On met le spike. Hop, on revient tranquillement du côté de Crignard. Fox là pour mettre ses uppers et ensuite le prendre à l'atterrissage avec un joli up smash. Hop, le petit neutral air du côté de Fox. On tape dans le bouclier direct. Crignard prend les devants. Il sort de cette situation périlleuse dans le corner et balance un forward smash. Et on enchaîne là avec les tornades. On est là pour gratter les pourcents, pour empêcher son adversaire de revenir et pouvoir mettre une grosse punish. Là vraiment Crignard n'a plus qu'un coup à mettre. Hop, le Shoryuken, malheureusement, il n'est pas placé corps à corps. Ça ne tue pas. Le forward air qui commence à tranquillement prendre les pourcentages. Et là, on voit Céleste qui commence à s'envoler bien aisément. Ah là là, le neutral air, le forward air trouvé par Crignard et le back air. Et on prend la première game côté Crignard.
on choisit la petite musique histoire de s'ambiancer pendant cette game. Les Metal Gear. Minecraft. Ça s'ambiance sur du Minecraft. On garde les mêmes et on recommence. Kinyar, peut-être qu'il a commencé à comprendre le match-up. Oui. Oh. Ah, le Falco. Oh là là, on a changé de perso. Autant pour moi, j'ai... En mode automate, moi les matchs ils m'ont décimé, hein, les gars. Le retour du Falco de Céleste. Mais le shield leaf côté de Crignard. On prend cette back throw. Ensuite on enchaîne avec le joli back air. La petite dash attack. Et cette fois-ci c'est à sens unique. On avance bien côté Céleste. Peut-être que. Enfin côté Crignard. Et là on prend le back air. Et Céleste qui a du mal à se démener. Et là, il va commencer ses petits combos starter. Oh là là, on l'embarque avec la tornade. C'est magnifique tout ça. Ah, tranquillement. C'est-à-dire qu'il reste au stage. Enfin, sur le bord. Histoire d'attendre et de punir son adversaire. Le neutre à l'air côté Crignard. Hop, on enchaîne le petit backer Falco. Et là pour l'instant Falco qui est en train de remonter cette stock incroyable. On remet les compteurs à zéro. Et est-ce que Céleste a fait le bon choix de changer de perso? Pour l'instant on va dire que c'est assez close. Peut-être que ça va donner du 109 à cette partie. Est-ce qu'on va pouvoir reverse? Et là on enchaîne les combos classiques de Falco. Là, il va falloir faire attention à cette mine. Bien esquivé de la part de Céleste. On balance le smash avant. Et hop, on balance le spike. Bien vu de la part de Crignard. Et on dirait que Crignard, il a beaucoup d'outils qu'il n'a pas encore utilisés. Hop, on met le forward air. Le petit back air. Ensuite Crignard, hop, on read cette roll et on le punit avec un forward, enfin un up smash. On est patient côté Crignard, on esquive ce smash avant. On balance les petites tornades pour gêner son adversaire, l'empêcher de revenir. Hop, on balance la mine. La mine qui clanque. Oh là là là. Magnifique. Le upper du côté de Céleste. Crignard qui revient tranquillement, il se relève. Le up smash et là, c'était un combat de smash. Hein. On va avoir un smash trouvé par Crignard. Le petit back air. Est-ce qu'on va encore réussir à prendre cette game? Bien sûr, avec le Shoryuken. Il l'a attendu. Il a dit, tiens, laisse-moi t'écraser la mâchoire avec mon gros poing. Le petit Shoryu. Petit Shoryu. C'est pas joué. C'est pas joué. Reprend le Fox côté Céleste. Et on garde Megaman côté Crignard. Allez, balle de match pour Crignard. On va voir ce que ça donne. Ça commence direct, un assaut de Céleste. La petite dash attack. Notre alerte est direct. Hein. Lui, il peut se permettre de pouvoir mettre son shield après un up tilt. C'est incroyable. Ton perso, il subit mieux que moi. Allez, combo de neutral air, petit back air. Le upper, bien esquivé de la part de Crignard. Et là, on jablock. Jab, don't smash. À l'air. On bourre les tornades côté Crignard. Il faut réduire l'écart. Ne pas partir sans faire subir son adversaire. Et on balance le up smash. Et ça y est, hein, Crignard qui peut déjà tuer son adversaire hein, sur un bon bien placé.
Et là voilà, on se retrouve en situation de take chase et ce up smash de la part de Céleste. Le petit back air, on enchaîne, up tilt. On essaie de side du côté de Megaman, mais on se fait bourrer par des aérios. Oh là là, Céleste qui commence à prendre confiance dans ce match et Crignard qui va prendre la première stock de Céleste avec ce back air. Up smash côté Crignard. Balance les feuilles. On empêche son adversaire d'avancer. Et vraiment, on est là pour le conditionner à dire tiens, toi, viens m'attaquer. Moi, j'ai pas envie de t'attaquer. Le up smash encore une fois côté Crignard. Et on met un up smash en retour côté Céleste. Plus qu'une stock côté Crignard. Est-ce qu'on va réussir à reverse cette game côté Céleste? Pour l'instant, Crignard qui prend la sauce. Forward air. Hop. Dash attack, neutral air. Down tilt. Et on est là pour mettre la pression. Forward air. Et on retourne sur un jab block. Oula, on a peut-être raté son exécution là-dessus. Oh, c'est dommage. Crignard a voulu punir. Mais on a été patient côté Céleste. Et le back air. Et c'est pas fini. Et si, c'est fini. Le Céleste va réussir à remonter tout ce match. Reverse toute la game. Pour ensuite reverse la finale. Et ben pour moi c'est possible. C'est possible. Après là peut-être le stage a joué en sa faveur. Peut-être que des situations finales étaient peut-être plus avantageuses pour lui. Je ne sais pas. Est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence? On prend les mêmes et on recommence. Effectivement. Ah, Battlefield. A voir ce que ça va donner. Pour l'instant, Crignard qui prend aucun risque. Garde bien son adversaire à distance, on l'empêche d'avancer avec tous ses outils. La petite dash attack. On met un up smash côté Crignard. Le petit back air. On met le limon, la tornade. Re-back air. Le side smash. Là, c'était très bien vu de la part de Céleste de réflecter ce coup. Et Crignard qui a pas perdu son sang-froid et il a shield direct cette action. Et ouais, Céleste qui est en train de là se promener sur le stage. Il est en train de mettre des claques et des upers sur le pauvre Crignard. Crignard qui trouve ce up smash. On balance le forward smash et re-up smash. Et ça tue pas, toujours pas. Il va falloir tuer ce furet. Tuez-moi ce furet, putain. On balance la scie. On a essayé de read un grab ou une roll. Là-dessus, en son temps côté Crignard, on revient au milieu du stage, là où il y a peut-être moins de risques. Et là, on prend une back throw côté Céleste. Et on n'est pas sûr côté Crignard. On laisse son adversaire avancer progressivement et on essaie de punir le up smash qui, malheureusement, ne touche pas. Et là, est-ce qu'on va se faire reverse? Non. Très bien joué de la part de Crignard. Ok. Oh là là, c'est un peu brouillon là-dessus. Et on trouve quand même le back air côté Crignard. De deux stocks. Est-ce que Céleste va réussir à prendre ses stocks rapidement? Oh, on balance le shield lift. C'était très bien vu comme come out. Hop. Et le petit back air. Et là, hop. Tech chase, up smash. Rien n'est joué côté Céleste. On peut toujours revenir. Back air. Second back air.
Troisième backer. Et ben les backers, on a des promos. Promo sur les backers. Un backer acheté. Trois offerts. Père. Crinière qui cherche à lire un peu les déplacements de son adversaire. Unir les airs, les aériaux de son adversaire. Le up smash encore une fois. On tape trop dans le shit côté céleste. Et heureusement que ce up smash a du mal à tuer. Là on se retrouve en situation de tech chase sur la plateforme. Et là c'est Céleste qui perd un joli combo. Et on se prend le père. Oh il n'est pas mort. La dash attack bien trouvée. Et la dash attack qui va tuer. L'interaction était chelou. Je pensais que Céleste allait perdre la stock sur la tornade, mais apparemment il a bien suggéré ça. On balance le shield leaf, le up smash côté Krynia. On essaie de le backer, on essaie de lire vraiment les déplacements de son adversaire. On prend ce donner côté Krynia. Et ouais, Céleste qui n'arrive pas à trouver la punish. Est-ce qu'il commence à craquer? C'est possible. Après, il est dur de passer à travers les mailles du filet de Crignard. On prend ce grab. Forward air. On balance la scie. On est patient des deux côtés. Oh, le up smash qui était bien tenté de la part de Céleste. Mais ça prend personne. On revient avec le up B côté Céleste. Joli mix-up. Allez, plus qu'un backer côté. Oh non, c'est pas suffisant. Oh, on a essayé de le spike. Finir ce set comme le précédent, avec un spike. Dernière stock côté Céleste. 110%. La scie et le backer et ça tue. Crignard gagne le ranking. Encore une fois, deux d'affilée. Bien joué, les gars. C'était dur. C'était dur. Et du coup, on va pouvoir passer aux interviews. On va pouvoir passer aux interviews. Interview du numéro 3. Moi, alors franchement, je sais pas. GG Crignard, GG Céleste, bien sûr. Ça a été très bon. Transition. On retourne sur le set. Le setup. Le dojo. Et GG. Le dojo GG. GG de la part de Yuya et de Karogu. Yuya Magic. Et donc on est dans les temps. Oui, on est dans les temps. Bientôt. Ah ouais. Allez, je vais laisser la place. On va laisser nos deux adversaires, nos deux finalistes discuter ensemble avant de passer aux interviews du top 3. Je vais pas m'interviewer tout seul, ça va faire con. C'est vrai, quoi, les termes. Parlez-en. Ouais, venez. Bah, c'est moi, mais il faut quelqu'un pour m'interviewer. On y va de manière dégressive. Jamais, c'est jamais arrivé. J'ai toujours fini troisième. C'est ma malédiction. Du guideux, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, pendant un moment, je l'avais fait pendant un moment. Sur Twitter, j'étais guide 3, tu vois. Après, j'ai dit, ouais, bon, j'arrête. Il n'y a qu'à GG que je fais des guides 3, tu vois. Alors, que t'as eu comme run? Ah, bah alors, la petite run, on va mettre ça de suite. Alors, j'ai commencé avec une game contre HBK et agréablement surpris d'avoir vu qu'il a bien progressé de son côté. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas affronté et il est vachement plus solide, plus défensif. Et ouais. Je trouve ça vraiment cool que même ceux qui, on va dire, ne sont pas habitués à faire des perfs, ben, progressent à ce point-là. Et c'est vraiment cool de voir ça. Crignard, voilà, cette game elle était dure. Bah, c'est troisième techniquement. Ah, et moi j'ai pas eu le rod.
Ouais, c'était une game qui était serrée. Ouais. Le score dit 3-1, mais c'était quand même très serré. Chaque game était très serré. Paix à mon suicide. Paix à mon suicide. Mais c'est. Voilà, bah, c'est les aléas. J'ai essayé après, de coup, jouer. En bracket. On est sur Mernan. Mi Brawler, je connaissais peu. Je me suis fait avoir sur la première game. Après, j'ai joué Zelda. Hein. J'ai bien campé. Et bah, résultat, je finissais sur. Il me restait deux stocks à chaque fois. Plus carré. Bah, tant pis. Et du coup, bah, après, je me suis affronté contre mon confrère, mon coloc, mon collègue amiénois. Alors, lui, on se connaît. L'amateur de Chamonix. Ouais, c'est ça, l'amateur de Chamonix. Je suis le Chamonix killer, désolé. Ouais, bah, disons que Orlin, je le connais trop. Et en fait, je sais jouer sur les points de pression. Je sens que. En fait, il va faire des commits. Ils sont plutôt des fois intelligents, mais des fois il va attendre trop de commits. Et en fait, si tu le campes, et si tu le connais bien aussi, tu sais quand il va faire un PK Fire. Et du coup, le réflecteur il est là avant son PK Fire. et du coup, bien, tu connais ses timings. Ouais, je connais ses timings, mais il a beaucoup progressé sur le match-up. Mais bon, bah, du coup, mon côté aussi. Et du coup, ouais, 3-0, il n'y a pas eu de la stock. Désolé à lui, à chaque fois, c'est en fait, je l'avais à l'usure. Sens ou l'autre, quoi. Ouais, c'est. Vu qu'il te mettait 3-0, toi. Bah, des fois, non. C'était genre, à chaque fois, c'était close, tu vois. Mm. Et je sais comment il joue, je sais comment l'avoir à l'usure, en fait. Si la game commence à durer plus de 4 minutes, c'est fini pour lui. Hein. Il finit par craquer. Même si, des fois, je me retrouve. Enfin, là, je parle de free play. Des fois, je me retrouve à 140%. Je vais lui faire des comebacks de salaud. Parce que, en fait, il perd pas trop bien la pression. Et Céleste Guideux, alors là, moi, de mon côté, je l'ai vu comme une pugila, j'ai subi, et dès que je pouvais mettre un coup, j'étais en mode, je te laisserai pas, genre, cette fois-ci, tu ne reviendras pas, genre, j'ai pas envie de te laisser la vie sauve, mais à chaque fois, je me prenais tous les combos. En fait, ça a bien marché sur les M3 et 4, ouais. T'as réussi à revenir. C'est ça, mais le truc, c'est que bah, je suis obligé de subir un combo de 70%, et dire, bon bah, toi, si je te touche, tu vas t'en souvenir. Et c'est dur de faire ça. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs. C'est ce qu'il faut savoir à gérer quand t'es contre un rushdown avec un auto-tonner ou un trappeur. Mais en fait, le truc, c'est que comme Zelda, elle est flotty, les combos, genre toi, je te vois, quand tu jouais contre Céleste, bah, il commençait son combo starter et toi, t'arrivais à te remettre en shield au sol, en fait. Et moi, ça, je rêve de le faire, j'aimerais bien, tu vois. Mais non, moi, je suis obligé de subir 70%. Mais voilà, hein, bah, GG à Céleste, hein, il a très bien joué. Il a très bien joué. Et puis bon, bah, sorti sur ce truc-là. 3-2 quand même. C'était... Ouais, 3-2, c'était serré. Je sais pas pourquoi j'ai réussi à mettre 2 points. Là, vraiment, c'était un sens unique pour moi. Je crois que c'est après le. C'est pas après le coaching de Dame. Coaching mental. J'avais pris une game et après coaching, j'ai repris une deuxième game. Et en fait, je me suis dit, ouais, les plateformes me gênent trop. Je sais que destination finale, c'est peut-être pas le bon choix, mais je dis, franchement, je sais ce que je dois faire là-dessus. Le jour où il sera dans la condition où je pourrais lui mettre une simple dash attack pour le tuer, parce que bah, Fox, c'est léger, bah, je voulais lui mettre la pression. Quoi. Par contre, Fox, ingrabable. Et quand t'as beaucoup de combos avec des grabs... Après, Céleste, c'est un jeu où il faut pas ouais. Grab quelqu'un qui... Bah ouais. Et c'est dur en fait. Au revoir HBK. Et voilà, c'est comme ça. Et bah du coup je vais appeler mon compère Céleste hein, pour le. Interview peut-être. Bah on garde le meilleur pour la fin. Le non, premier. Tu reviens après, t'inquiète. Tu reviens après, ouais. Ah tu vas interviewer Céleste dans l'ordre. Non, c'est, je te laisse faire. Ouais, vas-y. Céleste, viens donc. J'arrive après, je finis les interviews. On l'a cassé, on l'a fait, tu vois. Alors, Céleste, dis-moi, ouais. Cette run, j'ai perdu la bagarre. T'as perdu la bagarre, mais tu t'es bien débrouillé, mon salaud. Oh, bah, je suis content de ma journée. Quand même. Bah là, du coup, ta run, elle s'est passée comment? Alors, monsieur Céleste, déjà, t'étais seed.
Première game contre merde, non, tu t'es fait prendre une game comme moi. Ah, le Ike, hein, il a pas. J'ai pas ah, t'as voulu prendre Ike. Ok, d'accord. Ouais, de première game, j'ai pris Ike, après j'ai repris Fox. Ok. C'est un peu mieux passé. Ça s'est un peu mieux passé. Ouais, un peu. Ah, non, mais ton Fox est solide. Céleste contre Chamorlin. Au bon goût délicieux de Chamorlin. Donc là, t'as joué Fox. Ouais. Ça, ça va t'es. Ou c'était close. C'était close quand même, hein. Il y a une certaine game, là j'étais en mode bon. Ouais, bah... en fait, si je me souviens de la game en fait, bah souvent c'était comme avec Zelda en fait. Je mettais des gros combos et Orlin il faisait des communes avec ses gros coups là, ses grosses bottines. Et voilà quoi. Et bah, du coup ça s'est bien passé pour tout quand même. Et après du coup, Krieger Céleste 3-2 donc. Bon match, 3-0, hein. Reverse 3-0. Ouais, ah ouais, ouais, d'accord. Là, ça a piqué. Ah, ça a piqué. Après, chacun le vit comme on peut. Et bon, ça t'a pas empêché de pouvoir revenir affronter deux. Oh non, le 7, là, j'en pouvais plus. Ouais, non, mais j'en pouvais comprends. Plus. Enfin, moi, je n'ai pas le vécu. Oh, bah, les games, enfin, les games sur DF que tu m'as prise, ah, je l'ai mal vécu celle-là. Ah ouais, ouais mais... À la fin, je me suis fait voler la game. En fait, j'avais mon plan. Ok, faut que je joue là-dessus. En fait, c'est mon dernier recours. C'est mon last resort. Je kiffe par exemple. Bah, moi, je m'en fous. En fait, je me faisais savater. Je me faisais savater et. Malgré ouais. Moi, j'essaie. Content de t'avoir enfin battu avec Fox. Ouais. Ouais, parce que l'autre fois, bah, tu tapais trop dans mon shield. Donc, bah, t'avais fait qu'une seule game aussi. C'était pas représentatif. Ouais, mais, très bien revenir. Il y avait le ranking d'avant encore, tu m'avais savaté. Ouais mais après Fox a le match-up sur Zelda je pense hein. Après oui après la première game où tu m'as pris, j'ai hésité à prendre. Ouais j'ai vu et je me suis dit vas-y prends Ike, vas-y je suis prêt à camper. Je prends ma tente et tu verras ça va être insupportable. Ouais c'est ça. Et je me suis dit à ce moment-là non faut que je le fasse avec toi. Et moi je me suis dit bon bah au moins je vais subir au moins tu gardes ton vrai main. Et voilà t'as. L'avantage sur le match-up ça se voit après oui. Bah j'ai pas les bons outils donc faut que je bosse ça bon, un peu les deux. Oh mais une deuxième place c'est très bien. Bah ouais la prochaine fois je veux gagner quand même hein, parce que j'ai encore eu l'impression d'avoir perdu la bagarre hein. Et bon en attendant tu grattes les points pour le ranking la dernière fois troisième aujourd'hui deux une fois premier. Oh mais du coup moi ça me rajoute un démon braguette à battre quoi. Dans ma liste très bien. Et bon bah après j'ai pas besoin de te dire le topo, tu vas revenir. Oh oui. Bah, oui on est bien ici, on est bien ici. Venez, on est bien. Et la grande finale, je l'ai mal. Ouais bah là on voyait Krinyar, il était beaucoup plus au taquet. Il savait comment jouer. Et puis bah il m'a dit. Ouais, moi la game m'a rendu jaloux, hein, vraiment, quand j'ai vu que tu commençais tes combos starter et lui il pouvait bouclier, il pouvait rester au sol et bouclier. Moi je suis obligé de subir. Ça marche pas. Ah non moi je peux pas. Donc faut que je trouve un moyen et bah on va bosser ça. Hein. Voilà. Et bah très bien. Bah bien joué à toi. Et bah écoute bien. Je vais laisser la place. Moi je vais appeler le mec qui est sur sa streak de victoire. Ouais, il va falloir casser ça. Yuya, One Ball, revenez s'il vous plaît. T'inquiète, je serai là au rendez-vous aussi. Monsieur Krinyar. Désolé de vous couper, comme ça on peut couper le stream après. Parlera après. Oh là là, monsieur Clignard, vous êtes si fort hein, avec votre perso sorti du fin fond de l'enfer. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, Megaman quand même. Oh, c'est mieux. Et fin fond des enfers, tu vois. C'est le mal aimé, il remonte le purgatoire pour gagner. Ouais. Là pour répondre à la paix. Mais ça fait plaisir de voir des personnages un peu moins mainstream, tu vois, genre la grosse barbe de hipster sur 20 tu vois là voir un Megaman sur le podium c'est beau ça change des Fox on le voit trop. Non Fox est stylé j'ai dit c'est mainstream tout le monde voit Fox partout vas-y. Non Megaman c'est stylé après ouais ma revanche est-ce que là on est quoi cette compte c'est la deuxième fois qu'on se rend moi je parle c'est la deuxième fois bon pour moi mais tu sais que en ce moment je bats de plus en plus mes démons et aussi je me crée des démons aussi.
Là, tu viendras d'être ajouté à la liste. Et Céleste viendra d'être ajouté à la liste. Il vient passer au set point de 2-1 pour lui-même. Voilà. C'est cool. Ouais, c'est cool. Petite rivalité comme ça. Attends plus que ça, quoi. Bah ouais. Yuya, va falloir que tu me recoaches sur Zelda. Je crois que j'ai dû prendre les mauvaises habitudes. Bah reviens, parce que là, je vais commencer à prendre l'habitude. Hein. Mmh. Ouais, il commence les chevilles. Commence, ouais, ça y est. Hein. Je vais pouvoir marcher. Ah, mais bon, c'est bon. Tu vas pouvoir ramener la coupe à la maison. Ta fille, elle sera contente. Ah, papa, il a gagné. Elle va vomir dans la salade. Trop bien. Elle est malade. Ah, bah, très bien. Bah, du coup, on te revoit rendez-vous, puis on te revoit sur le podium. On verra la prochaine fois, parce que il n'y avait pas tout le monde là. Hein. Ouais, là, on a failli faire un round robin. Hein. Parce que ça aurait donné. Hein. Pas de GPT, il y a plein de joueurs. T'as affronté Rir, c'est vrai. Bon, Captain Falcon Chelou, tu l'as affronté. Ouais. Après, t'as affronté moi-même. Après, Céleste. Ouais, en vrai, t'as affronté les bons joueurs. Hein. Ouais. Ouais, bah, j'ai pas affronté vous. Non, du coup. Ah bah écoute, on va clore le ranking là-dessus. GG à toi. Merci. Bon, t'es solide sur tes appuis. Merci, c'est-à-dire que la prochaine fois, Kabi, Sera, Yuya, One Brawl, ce sera pas la même chose, c'est sûr. Bah ouais, non mais c'est sûr. Et en plus, j'aimerais bien affronter Monsieur Biche pour une fois. Parce que je l'ai jamais affronté. Et jamais affronté Biche. Sérieux? Ouais. À part en replay, tu vois. Et en plus, je trouve que son Falcon, il le joue plus intelligemment. Monsieur, lui, il bourre. Dès qu'il peut bourrer, il bourre. Après, moi, j'avoue, je suis jaloux de ton match contre Céleste, parce que là, Céleste, il tapait dans ton shield. Moi, j'aimerais bien qu'on tape dans mon shield. Et la tête, t'as réussi à prendre des upbés dessus. Ouais, mais les upbés, j'ai été les chercher. C'était pas en auto-shield. Hein. C'est en mode. Il y en a eu quelques-uns. Mais toi, il te mettait des side B dans ton shield, après tu faisais des up smash. T'en as mis des up smash, t'en as mis plein. Ah oui, parce qu'en fait, il cherchait vous. T'as dash attack pour faire les combos starter. Mmh. Un coup qui est ultra la vie. Ouais, puis après, je sais que des fois, moi, j'étais pas actif face à Céleste. Nombre de fois où je crois que j'ai dû me prendre 3 d'achat. 3 d'achat dans le shield. Et j'ai pas fini parce que, en fait, ça a été tellement vite. J'ai pas eu le réflexe de re-up B. T'es même pas obligé de up B, tu peux le grab. Hein. T'as le temps de grab. Zelda son grab il fait 13 frames. Ouais, je pense que t'as pas. T'as vérifié mais je pense. En tout cas j'ai mis 0 grab contre Céleste. Moi je ne fais que subir. Mon savaté. Allez on va faire le ranking. Au revoir. Merci à vous.